Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouveau live sur Saint Seiya, la légende de la justice. Et on va voir qu'on a beaucoup de contenu à voir ensemble, hein. Ça va être un truc de fou. Bonsoir Lolo, bonsoir Drakan, il dit bonsoir à tous. Super Lazik, bah, si ça vous plaît tant mieux, c'est une petite playlist pour ça. Donc j'espère que ça vous plaît en patientant le soir quand j'arrive. Et normalement, là, elle est aussi en fond. J'espère qu'elle n'est pas trop mal réglée parce que elle est réglée différemment pour moi et vous. Donc normalement, moi, je l'entends peu, mais vous l'entendez un petit peu plus, mais en fond, pas au-dessus de ma voix. Pour le programme ce soir, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Bonsoir, Diablinux. Eh bien, on va faire tout simplement regarder l'intégralité du contenu, puis après, on va parler du reste du programme. Donc, l'intégralité du contenu, attention, aujourd'hui, s'ouvrait la Galaxian War. Waouh, j'ai fait 7 victoires. Voilà, fin du contenu. Bonsoir Claudius. À noter quand même sur cette Galaxian War, bon rien d'intéressant à parler des combats, mais que quand même Money Player, il aime bien jouer contre moi visiblement, ce qui est souvent dans ma pool, où je le croise souvent en GW, donc c'est voilà, c'est une habitude. Là il est passé. On se recroisera peut-être dans les jours à venir également, on sait pas, on verra. Et voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a à faire en ce moment? Ben rien, hein, puisqu'il n'y a pas de contenu, hein, littéralement, il n'y a pas de portail, il n'y a pas d'event, il n'y a que dalle. On espère demain avoir de bonnes surprises, mais attention, on a déjà eu une surprise aujourd'hui, alors qu'il n'en est pas vraiment une, mais qui va nous permettre d'échanger ce soir. Puisque, si on passe sur cette. Sur l'autre scène, ça va être celle-ci. Voilà. Donc le Facebook nous a présenté cette affiche en nous disant que ce serait le nouveau chevalier Up. Mais du coup, on a été quand même, comment dire, un peu surpris par le personnage qui illustre cette image. Puisque si on regarde un peu clairement, on voit clairement que le personnage sur cette image, bah, c'est plutôt suite gauche que suite droite. Sauf qu'un chevalier Up, c'est une façon de dire un portail pour les Dark and Light. Donc, a priori, ça serait plus probablement Shiryu GC. Mais c'est quand même un petit peu, comment dire, saugrenu pour parler poliment. On suppose que c'est un coup du stagiaire, hein, encore une fois, hein, pour une énième fois. Hein. De la même façon que tout à l'heure pour la Galaxian War, d'ailleurs, bah, elle s'est terminée à 18h20 au lieu de 18h, par exemple. Parce que visiblement, les points ne voulaient pas sortir. Donc qu'est-ce que conclure de ceci, je sais pas trop. Je suppose que on saura demain dans le patch note que c'est Shiryu GC parce que je vois pas comment ça pourrait être autrement. Même si sur l'affiche c'est clairement Shiryu Pog. C'est pas la première fois qu'ils nous mettent Shiryu Pog à la place d'un autre perso, puisqu'ils nous l'avaient placé, je crois, à la place de Seiya Pog sur une des présentations de team ou je sais plus quelle occasion. C'était déjà pas fameux. Là, bon, ben, voilà, c'est Shiryu Pog sur l'affiche, mais on va supposer qu'il y a Shiryu GC. Après, il pourrait y avoir les deux. On a déjà eu Seiya et Seiya Pog en même temps, pourquoi pas Shiryu et Shiryu Pog. Bon, ça commence à faire beaucoup de rapprochements dans leur communication, et pas que. Donc, ça fait un peu beaucoup. Et la petite blague sur le titre, alors il est qui? C'est parce que c'était la question qui était posée par le Facebook, puisque, bon, il faut pas non plus trop d'efforts sur la traduction. Et on reparlera des traductions d'ailleurs tout à l'heure. Stagiaire armure 30, c'est validé. Ouais, armure 30, constellation 9, hein, bientôt visiblement. Il arrive à nous faire des jolis combos entre bug et livraison de patch, plus communication, ça fait quand même beaucoup. Seiya Pog, ça vaut le coup d'acheter ou d'échanger avec les pièces, ou bien il sert à rien. Seiya Pog, il sert à rien. C'est pas la peine d'y aller chercher avec les euros, sauf si vous voulez de la résonance, mais c'est que vous aurez déjà beaucoup cash payé sur le jeu. Et les ressources, vous obtiendrez bien plus de récompenses à les échanger qu'à échanger contre Seiya Pog qui ne sert littéralement à rien. On a essayé de l'utiliser un petit peu. Vraiment, c'est absolument nul. C'est clairement Shiryu Pog sur l'image. Oui, je suis bien d'accord. L'armure de la GC recouvre quasiment toute son armure et il a d'énormes ailes, c'est ça. Il y a des très grandes ailes sur GC, donc il n'y a aucun doute. Et sur la position, qui est littéralement la même position que sur l'image d'illustration du Seiya Pog. Plus, si vous zoomez, vous verrez que c'est l'armure du Seiya Pog. Il n'y a juste pas les couleurs, entre guillemets, parce qu'il n'est pas zoomé. Donc on pourrait se dire que c'est le Shiryu bronze de base. Puisque finalement, la version Pog, c'est juste la version goldée de la version bronze. Mais, avec les jeux d'ombre, on pourrait se dire que c'est le Shiryu Pog. Et donc je pense qu'ils sont trompés sur l'illustration qu'ils ont utilisée entre Shiryu Pog ou bronze et le Shiryu qu'ils voulaient illustrer, qui était
Shiryu GC. Ça ressemble à l'affiche qu'on avait eue pour Seiya GC, sauf que pour Seiya GC, c'était vraiment Seiya en armure divine et pas un random Seiya. Ouais, là, comme c'est très très amateur. Oui, là, c'est plus qu'amateur, c'est... Parce que ça peut faire un peu peur dans un jeu qui a une forte licence d'avoir des gens qui présentent les personnages sans respecter la licence puisqu'ils ne connaissent littéralement pas leurs personnages. C'est quand même très problématique. Ça devrait être fact-checké ou double-checké par des gens qui connaissent un peu. Il y a des gens sur le Discord qui participent des fois à faire leur propre remontée quand il y a des interrogations sur les cartes ou quoi que ce soit. Ça serait bien qu'ils le prennent en compte parce que là, il n'y aurait pas eu une illustration comme ça. On va partir du principe que ce sera Shiryu GC. De toute façon, une annonce de portail, ça peut pas être un POG, mais bon, réellement, il... ouais, c'est ça. Vu que c'est écrit Chevalier Up, sauf si c'est cette partie-là qui est erronée, ça peut être que Shiryu GC. C'est pour ça que je penche plus pour une erreur dans la typo, enfin dans l'illustration, que dans le texte qui est le même que d'habitude. Mais ça pourrait être également le cas qu'il soit trompé entre l'événement Chevalier Up et l'événement POG. Mais ça, j'en doute. C'est pour ça que je pense que c'est Shiryu GC. Techniquement, sur la CN, si on regarde ce qui est sorti, ça reste en cohérence avec l'ordre de sortie de la CN, donc ce serait pas choquant. Ça m'étonne juste qu'on ait un Light plutôt qu'un Dark, mais vu qu'on a eu Hypnos et Thanatos, Into Seiya, bon, je me dis que c'est pour faire deux Light après deux Dark, et on aura deux Dark après avec Shunades et Minos, par exemple. Ça pourrait être quelque chose comme ça, quoi. Ou les deux en même temps. Oui, c'est ce que je disais. Pour Seiya GC et Seiya POG, on les avait en même temps, donc on pourrait les avoir en même temps, mais là, du coup, c'est encore pire, c'est-à-dire qu'ils ont mélangé la présentation des deux persos. Que pour Seiya POG, on l'avait eu après Seiya GC avec l'illustration de son armure et le patch note. Là, ce qui est juste pas logique, c'est que ça devrait pas être ce personnage qui est là, même si d'ici mercredi, on pourrait avoir aussi l'annonce, évidemment, de Shiryu POG, ce qui me choquerait pas. Ce serait cohérent avec ce qu'on a eu sur Seiya, pourquoi pas. Bon, on va faire du stack de pétales alors. On va en parler du personnage. Par contre, ça veut dire qu'il continue avec un light. C'est pas ouf. Ouais, c'est ça, c'est dark, dark, light, light. Donc on aurait Shunades et Minos pour faire du dark, dark après. Là, j'aurais plutôt imaginé qu'ils allaient sortir un personnage bouclier. Ou pour essayer de tourner un petit peu. Là, pour les plus petites box qui ont fait le choix d'aller sur notamment Athéna et Seiya GC, ça va commencer à être dur d'enchaîner les light et il va falloir sûrement skip celui-ci. On va évidemment parler un peu du personnage. On en parlera plus en détail quand il sera confirmé, mais là on va présenter un petit peu ses skills. Alors malheureusement sur Gatchap, il manque des morceaux, donc j'ai retraduit moi-même et j'ai essayé de restituer au mieux les skills. On verra si ça ressemble bien à ça. Donc moi en tout cas mon pari, c'est plutôt celui-ci. Hop. C'est Shiryu GC que Shiryu POG, mais bon, pourquoi pas les deux. Et ouais, donc comme je disais, j'ai retraduit les skills parce que sur Gatchap, je sais pas pourquoi les skills de Shiryu GC, il en manque une partie. Bonsoir Campinette. On va les passer rapidement pour voir ce qui fait de bien, ce qui fait de moins bien. Et mon conseil, hein, ça va être évidemment pour la plupart de le skip, même si ça reste un très bon perso. En personnage tank, on a déjà beaucoup de personnages qui font déjà des choses, donc je pense qu'il sera pas indispensable pour grand monde. Et vu tout ce qui va arriver par la suite, ça va falloir le skip. Moi-même, je vais le skipper parce que j'ai beaucoup de ressources d'avance et j'irai sûrement le récupérer avec toutes les ressources que j'ai de côté. Là où j'irai plus focus des personnages comme Shun GC par exemple par la suite. Et salut Shuri! Et le reste, c'est vous saluez entre vous. Normalement, j'ai salué tout le monde. Comment va? Ça va très bien. J'espère que toi aussi. Alors, si on rentre un peu dans le détail de ses skills, on va voir que c'est un vrai front. Hein. Il n'y a pas d'autre position pour lui. On va voir qu'il a des grandes forces, mais aussi des choses qui le rendent un peu complexe. On a plutôt envie d'avoir des teams qui synergisent entre elles plutôt qu'ils s'orientent autour d'un personnage. Et j'ai un peu l'impression que c'est ça qu'on va faire avec lui. Donc son premier skill, qui est son ult, mais où il y a un passif également avec. Donc c'est le Rosan Yaku Ryu A. Ça doit être les 1000 dragons de Rosan. Hein. Un truc comme ça, c'est la version de base, on va dire. Je sais pas pourquoi ils mettent pas les noms en français d'ailleurs. Enfin, ça c'est la traduction de Gatchap. Il y aura peut-être le nom en français sur le jeu, mais généralement c'est pas le cas. Donc son level 1 compétence passive, donc comme je disais, en plus de l'ult,
Lorsque Shiryu est sur le terrain, la défense de tous les personnages autres que lui-même est réduite de 40%. Donc ça, c'est très très fort. Hein. C'est très très fort, mais c'est tout le monde. Et si c'est bien traduit correctement, ça veut dire que vos personnages à vous aussi sont réduits de 40%. On sait qu'il y a des personnages qui ont déjà cette typologie qui sont arrivés, comme Mew qui endort tout le monde. Sauf que Mew, quand on avance dans ses constellations, armure et son kit total, ça évite ça. Là, on va voir que ça, par contre, c'est une réalité pour tout le monde. Que ça peut être intéressant dans certains cas, éventuellement à tester, même contre certains boss ou quoi que ce soit. Mais que globalement, l'utilité, ça serait surtout en PVP. Sauf que 40% de moins sur sa défense à soi également, c'est un peu compliqué à gérer. Donc ça va demander quand même des dispositifs ou des dispositions, on va dire, un peu particulières. Sinon, pour ce qui est de son ult, lorsqu'il est activé, lorsque l'ult se lance, en plus de son passif, il repousse tous les ennemis, donc ça c'est le fonctionnement assez classique des personnages de ce type, hein, que ce soit le Shiryu Balance ou le Doko. Ça reste sur le même principe pour le Shiryu GC, ça reste l'armée de Lion, ça sera à peu, l'armée de Dragon, pardon, et ça restera à peu près le même principe d'ailleurs pour Doko GC qui est sorti plus récemment sur la CN. Puis il inflige des dégâts égaux à 230% de la puissance d'attaque, et double l'effet de réduction de la défense de l'ennemi pendant 10 secondes. Donc ça c'est très intéressant, ça veut dire que vous allez créer un gap, c'est pareil, c'est des choses qu'utilisent d'autres personnages actuellement, d'avoir un effet négatif sur l'adversaire et moins fort pour vous. Un peu à la façon de, je sais pas moi, si AGC qui va donner de la vitesse d'attaque mais en prendre plus pour lui ou des choses un peu comme ça. C'est une dynamique qu'on a vu déjà également. Donc après l'ult c'est un peu plus intéressant d'avoir ce gap de réduction de défense puisque du coup il sera doublé uniquement sur la team adverse et ce qui fera quand même 80% techniquement de défense réduite. Les skills, les levels 2 et 3 ça change pas grand chose à part la puissance d'attaque globale de l'ult. Donc on retiendra surtout que c'est sur cette ult et via ce passif qu'il est capable de placer des grosses réductions de défense. C'est pareil par contre hein, que pareil qu'il y a d'autres personnages qui sont capables de faire de la réduction de défense, de la break def ou des choses du style avec du Shura assez souvent, du Orphée, etc. Mais bon, le fait de cibler comme ça de manière très efficace avec un taux à 80% sur un ult, ça reste quand même très fort. Le fait d'avoir cette faiblesse, de l'avoir également sur une équipe, ça reste à faire, faire attention à ça, quoi. Mais un ult plutôt intéressant, la capacité d'enversement, c'est également toujours utile pour interrompre ou autre. C'est toujours quelque chose de sympathique. Pour Rosen Ryu Isho, donc le deuxième skill, lancer un impact sur toute la première ligne de l'ennemi, donc en gros c'est il attaque la première ligne adverse, avec un passif actif, pareil, c'est pas plus intéressant que Shura sur les boss. Ben Shura techniquement on l'utilise sur les boss pour le mettre de manière globale avec les auto-attaques, la réduction et le laisser mourir. Là la difficulté avec Shiryu, c'est que si vous le placez, il va falloir attendre son ult pour qu'il fasse les 80%, ça sera pas qu'un stick à 8%. Et surtout, ben ça sera débuffable. Et puis il faut que lui il meure pour que ce soit intéressant pour faire entrer d'autres personnages. Donc pour moi c'est pas satisfaisant. Par contre sur des personnages, je sais pas, sur Illusion du Vide ou sur des niveaux comme ça, peut-être ça aura son utilité d'avoir un ult capable de faire ça. Pour l'instant, j'y vois pas une utilité grandiose. Hein. J'y crois pas trop. Mais on verra, on fera des tests. Ouais, faut le garder. Enfin, l'avantage de Shura, c'est qu'il meurt, quelqu'un d'autre rentre et son debuff reste. Et il n'y a pas ça sur Shiryu. Là, j'avoue, sur le popo d'illusion, va falloir faire des tests. Ouais, il y a des boss comme ça, par contre, un peu spécifiques où il faudra tester, notamment suivant les réductions qui seront appliquées. Des fois, ça peut être un personnage comme ça qui vient bien compléter la team. J'y crois moyen quand même, mais ça fait un outil supplémentaire, mais je pense pas qu'il faille cibler ce type de personnage pour ce type très précis d'événement. Il faut plutôt essayer de faire avec sa box, même si ce kit là est assez intéressant parce que ça change un peu, mais je trouve que globalement, et merci pour le follow Isley, je trouve que globalement il fait rien que d'autres ne font pas mieux d'une certaine façon, ou ne font pas quoi, parce qu'il le fait mieux que Doko et compagnie. Évidemment ça va être
un meilleur Shiryu Balance que Shiryu Balance, enfin, tu vois, évidemment, bien sûr, mais parce que le nombre de cibles, 5 cibles, etc., ça reste mieux, mais il y a tellement d'autres personnages à cibler que malheureusement, je pense que pour beaucoup, il va être à ignorer. Va falloir plutôt soit stocker des pétales, soit compléter son CIAGC, par exemple, si vous l'avez commencé. C'est quand même compliqué de se focus sur lui, même si, comme tous les GC, il est intéressant. Et avec le temps, avec les Araya et tout ça, ça constitue une team qui reste viable dans le très long terme, y compris sur la CN. Mais il y a tellement d'autres GC à aller chercher avant lui, je pense que ça reste quand même compliqué. Donc comme je disais, avec ce skill, il cible toute la ligne frontale, enfin la première ligne en face. Il fait des dégâts égaux à 8% des PV max de la cible. Alors évidemment, comme beaucoup, c'est limité à 500% de sa puissance d'attaque. Avec le level 2 et le 3, ça monte à 10 puis 12% de la santé maximale de la cible. Donc c'est un skill qui va reproc régulièrement, qui va quand même enlever un pourcentage assez important des PV de l'ensemble de la ligne adverse. Et qui en plus, avec le level 4, donc pour chaque diminution de 1% de la défense de la cible, or on a vu tout à l'heure qu'il pouvait lui-même descendre 80% de la défense de la cible, 40% en passif x2 avec l'ult. Donc ces dégâts-là, qui sont déjà 12% de base, seront augmentés par tranche de 1% de 2% supplémentaires jusqu'à 200% de la valeur initiale. Donc globalement, ça pourra aller de 12 à 36%. Sachant que de base, avec son passif, donc de 40%, techniquement, vous êtes déjà à 21,6% en temps normal. Et si vous cumulez au maximum, donc jusqu'à 36, avec 80, ça fera 160%, donc ça fera quasiment déjà le maximum. Donc vous serez déjà au-delà de 30% si vous avez ult par avance, et qu'on est encore dans le délai où vous avez les 40% qui s'appliquent deux fois. Et à noter que du coup le maximum ça sera 1500% de la puissance d'attaque, puisque ce sera 3 fois les 500%, puisque la limite s'appliquera également. Parce que ce sera juste 3 fois la valeur si jamais c'est limité à 500%. Après 500% de la puissance d'attaque, souvent il y a assez de marge, hein, puisqu'avec les multiplicateurs et autres vous êtes quand même à une puissance d'attaque assez élevée. Après on sait qu'il y a beaucoup de personnages qui augmentent énormément leur PV également, qui pourrait dépasser ce seuil si l'augmentation de PV est supérieure à votre propre augmentation d'attaque. Mais bon, ça peut rester intéressant au-delà des stats de défensif, de PV et de défense, de pouvoir lui augmenter l'attaque pour ce genre de critères. Je suis pas sûr qu'on focus spécialement ça avec lui, mais on va voir que comme son aïeul, hein, comme le Shiryu Balance, il y a d'autres skills qui lui permettent d'être plus efficace avec le temps, de se renforcer dans le temps et donc éventuellement de profiter de boosts d'attaque ou autre un peu plus longtemps à terme avec les autres skills. Donc globalement, hein, un skill qui renverse et qui descend la défense adverse, c'est un skill qui revient automatiquement, là, régulièrement, et qui va enlever un pourcentage des PV en fonction de ce critère-là, donc de réduction de défense. Pour skill 3, et c'est là où on voit que finalement c'est un personnage qui est assez, enfin pas très original, il n'y a pas énormément de texte sur ses skills, et il est entre guillemets vite résumé à ce rôle de j'enlève de la défense et je fais des ults ou des attaques en boucle. Et si on regarde son skill 3, donc c'est un passif, hein. Donc pour le level 1, Shiryu est immunisé pendant 4 secondes, ce buff ne peut pas être dissipé, et ça augmente à 5 ou 6 secondes. Et donc voilà, ça va s'appliquer de manière régulière. Il faudra regarder, j'ai plus le délai en tête, il faudra regarder sur Gacha tous les combien de secondes c'est. Donc c'est au-delà de 6 secondes pour, logiquement, évidemment. Mais il va être quand même immunisé assez régulièrement, automatiquement, tout au long du combat. Avec des blocs de 6 secondes, c'est quand même pas négligeable. C'est plutôt solide. Ce buff peut pas être dissipé, ce qui est plutôt fort. Faut voir si ça s'applique bien, parce qu'on sait que des interactions de cartes des fois un peu chelou qui permettent d'enlever certains buffs et tout, donc normalement si c'est écrit comme ça c'est que ça doit pas être le cas quel que soit ce qui est en face. Après faut voir les caractères interruptifs et autres si ça se passe pas au dessus de ça, mais ça c'est plutôt solide. Là encore, pour toute la partie être jouable entre guillemets et faire ce qu'on lui demande, et on sait qu'avec les cartes qui lui sont allouées à Raya, avec le temps et puis il passe de temps à pouvoir attaquer tranquillement, plus il va être efficace. Donc c'est sûr que le fait de s'immuniser aussi régulièrement sur le combat sur des périodes qui sont quand même assez longues, ça reste fort.
Mais là encore, à part qu'il soit en mesure d'envoyer son ult et de faire sa spé, c'est pas non plus très original. Finalement, il y a un petit renversement, un petit debuff de défense, mais pas forcément énormément de CC, ce qui aurait pu être intéressant avec ça. Son quatrième skill, donc c'est le saut du dragon. Donc, les personnages qui reçoivent des dégâts de la part de Shiryu reçoivent l'application du saut du dragon et n'infligera pas de dégâts de Shiryu pendant 2 secondes, puis 2 secondes et demie, puis 3 secondes avec les levels. Donc là, c'est toujours un peu la même façon. En face, il réduit la défense, et sur lui, quand on le tape, il reçoit moins de dégâts des persos qui lui ont infligé des dégâts de la même façon dans le temps pour être là encore très résistant, donc à la fois immunisé et à la fois avec une sorte d'invulnérabilité. C'est pas tout à fait une invulnérabilité parce qu'il faut que le personnage l'ait touché et ça s'applique pas à toute la team mais que au personnage en particulier, mais ça lui permet là aussi d'être encore très résistant. Ça veut dire que techniquement il tank l'open de Seiya où l'immune commence pas d'entrée. Non, il tank pas l'immune de Seiya. En fait, faut savoir que Seiya, il outrepasse toutes les priorités puisque son skill à l'open est à 0 seconde. Donc du moment que vous avez besoin de faire une action, d'avoir un open, de réaliser un passif ou de... Enfin, pas de réaliser passif, mais de faire un open ou d'avoir un passif qui proc sur l'ult, comme on a vu, ça ne fonctionne pas. Par contre, ça, le fait d'avoir l'immunité, ça va s'appliquer avec le temps. Faut voir le délai, je suis pas sûr que vu que c'est 6 secondes de délai, ça doit être au-dessus de 6 secondes de relance. Je pense qu'il l'aura pas à l'open. Et ce passif là par contre, quand il va commencer à se faire taper par Seiya, quand il sera dans sa zone, ça normalement ça devrait s'appliquer, puisqu'il empoisonner, d'une certaine façon, enfin je sais pas comment faudrait appeler pour ça, empoisonner le Seiya adverse, et du coup pendant 3 secondes lui fera pas de dommage. Mais là encore, après l'avoir tapé sur une période de 3 secondes, sur une période de 6, globalement, il va quand même prendre l'entrée plus au bout de 3 secondes, avec la vitesse d'attaque, il prendra quand même des dégâts. Mais sur une partie, normalement, il devrait résister à une partie des dégâts qu'infligera Seiya. Si on va sur l'armure, donc la compétence, donc le Shen Dragon Flying, qui sera traduit par, je suppose, celle-ci, hein, Rosan Yaku Ryu A. Faudra avoir la confirmation, mais je pense que c'est celle-ci. Parce que ça... faudrait vérifier laquelle des deux c'est, parce que je ne vais pas dire de si, je pensais que c'est la première, mais c'est vrai qu'il faudrait regarder la traduction exacte. Parce que ça, du coup, c'est pas explicite. Je peux aller vérifier rapidement ça. Pas dire de bêtises. Yachap va bien réagir en espérant qu'il y ait cette partie de la traduction, parce que comme je disais, j'ai dû refaire une partie de la trad qui était absente. Parce que sur l'armure, parce qu'il n'y avait pas la courcelle, il n'y avait rien d'ailleurs. Parce que sur l'armure, ils ont mis le bon. Donc voilà, sur l'armure, ils ont passé Rosan Ryu Isho, donc c'est le skill 2. Donc le skill 2. Donc celui qui enlève le pourcentage de PV, en plus de ça, avec l'armure, il va avoir un effet de vol de vie. Donc c'est traduit à suceur 200, mais c'est vol de vie évidemment. De 50%, puis 200% au niveau 2. Donc ça, à voir comment ça s'applique. Mais je suppose qu'il faut comprendre que si c'est l'intégralité des dégâts infligés, donc 100% des PV perdus, c'est super fort pour le rendre très très solide. À chaque fois, je crois que ça va lui permettre d'avoir sa partie vol de vie, alors que sur le reste ça va être un peu plus léger. La traduction trop littérale, ouais, mais comme j'ai dit, hein, j'ai dû faire rapidement avant le live la traduction à la mano, j'ai pas corrigé et tout, j'ai corrigé une partie de ce qui était traduit de manière un peu abrupte, mais du coup là je traduis en direct les petites scories qui restent, parce que malheureusement comme je disais sur Gachap, il n'y avait pas une partie des skills et il n'y avait pas la constelle ni rien. Donc là évidemment c'est à traduire vol de vie. Ça sera traduit mieux que ça hein, sur le jeu, on peut espérer, même si des fois c'est un peu approximatif. Là vous aurez juste la même chose avec écrit vol de vie et le nom qu'ils auront choisi pour la version française, je sais pas s'ils auront gardé les noms japonais. La durée de l'effet saut du dragon est augmentée de 1 seconde et demie. Donc, saut du dragon, si on remonte c'est celle-ci.
Donc là, ça commence à faire beaucoup, hein, par contre, puisque là, on monte à 4,5 secondes une fois que le sort est maxé. Donc là, effectivement, ça fait un personnage très très efficace sur le vol de vie, la réduction de dommages, plus l'immunité et l'invulnérabilité pendant 4 secondes et demie sur un personnage en particulier qui l'a tapé. Ça peut être quand même très très fort. Après, vu qu'il y a certaines parties qui sont précisées comme étant indébuffables, malheureusement, je pense que d'autres le sont. Faudra voir un peu comment ça se comporte avec les caractéristiques actuelles. Le niveau 4 de l'armure, donc lorsque Shiryu perd 90% de CPV maximum, donc quand il passe en dessous de la barre des 10%, comme peut perdre Shion 20%, etc., il y a déjà des choses qui trigger comme ça. Donc il déclenchera automatiquement âme ultime du dragon. Et donc en plus des bonus qu'il obtient via ce skill, il aura également en plus 60% de vitesse d'attaque et 30% d'accélération. Ce qui est quand même pas négligeable, alors ils ont précisé quand même que ça se cumulait pas, c'est-à-dire que s'il repasse plusieurs fois en dessous des 10%, il va pas reproc ça, et heureusement par contre, hein, parce que vu qu'il est capable de reprendre de la vie, et du coup de la redescendre. Après c'est pareil, faut voir comment ça s'organise entre sa capacité à résister, son immunité, son invulnérabilité, et le fait de descendre en dessous de 10%, parce que ça va pas arriver trop tard dans le combat pour vraiment rentabiliser. Après 60% de vitesse d'attaque et 30% d'accélération, c'est quand même très très fort, hein, on va pas se le cacher. C'est vraiment très très solide, hein. C'est quasiment comme s'il avait deux Araya, des bouts d'Araya rapides comme le vent et féroces comme le feu. Donc c'est des choses qui sont pas négligeables du tout, qui vont faire qu'il va plus souvent proc ses attaques et qu'elles soient attaques normales ou compétences. Donc ça reste très fort. Après, est-ce que c'est adapté à la méta actuelle de descendre en dessous de 10%? On sait qu'on fait des combats qui durent dans le temps. On cherche plutôt à les faire tomber rapidement. Est-ce que ça va être un personnage à mettre en défense? Bah, j'ai un peu du mal à le croire parce que ça fait quand même une grosse faiblesse d'appliquer 40% de faiblesse à sa propre team avec le passif de l'ult. Faudra voir un peu les dynamiques, les timings à laquelle ça se met parce que j'ai peur que ce soit pas... Enfin, je pense qu'il sera fort. Mais je pense qu'il faut le mettre dans des conditions particulières. Et le fait de focus un personnage comme ça, maintenant, alors que c'est assez compliqué pour beaucoup de focus des Dark and Light, j'ai peur qu'il n'y ait pas tout l'outillage autour pour arriver à vraiment le valoriser. Mais comme je dis, il faudra faire beaucoup de tests pour voir exactement comment se mettre ses skills. Mais s'il lui reste 11% et que la dernière attaque de l'adversaire fait perdre plus de 12%, le level 4 ne se déclenche quand même. Ah non, je pense qu'il meurt. Hein. Après, il faut voir si c'est quand il a perdu 90% ou quand il passe en dessous de 10% aussi, parce que là, comme c'est présenté, on pourrait aussi penser que c'est une fois qu'il a perdu l'équivalent de 90% de ses PV, c'est-à-dire que même s'il a perdu, genre s'il fait 170, il a perdu 3 fois 30 et il proc peut-être, tu vois. Ça, c'est pas très clair. Ça, c'est pareil, c'est à tester. Pour moi, faut le comprendre un peu différemment de ce qu'on a sur Shion, parce que sur Shion, c'est écrit à chaque fois qu'il perd 20%. Là, c'est écrit quand il a perdu 90%. Donc, parce que par contre, si c'est le cas, comme tu dis, si à 11% il passe à 0, ben juste il meurt, quoi. Et parce qu'il encaisse quand même la totalité du coup, tant qu'il est au-dessus de 11%. Donc, faut voir un peu comment ça se met ce skill exactement avec ces timings-là. Et si c'est juste le fait d'accumuler 90%. De dégâts, c'est plus intéressant parce que même si t'es à 60 mais que t'as perdu plusieurs fois 30, 20, 40%, ça pourrait être une façon de le proc plus facilement et d'être le plus valorisé. Ça, c'est à voir, faudra faire les tests. C'est comme je dis, il a un kit assez simple, on comprend bien ce qu'il fait. Par contre, les timings et quand c'est vraiment être exploitable, c'est moins évident, je trouve. Et si on termine par sa constelle. Donc avec trois constelles, lorsque Shiryu est au premier rang et que lui et un autre allié au premier rang cause des dégâts, donc quand un des deux fronts tape des personnages adverses, la défense de la cible blessée sera réduite de 30%, donc une nouvelle réduction de la cible de 30% pendant 5 secondes, cet effet ne se cumule pas, donc en gros si vous tapez avec les deux personnages front, ça fera pas 30% plus 30%, que ce soit Shiryu ou son voisin, ça proquera qu'une fois sur les deux, si on comprend bien le skill là. Là, le truc, c'est que c'est toujours pareil, vu qu'on n'a pas les détails des calculs, et à chaque fois ça m'agace, c'est qu'on sait jamais si ce genre de pourcentages sont multiplicatifs ou additifs. Si c'est multiplicatif, plus ça va aller, plus le pourcentage va être proche de 100%, vu qu'on va avoir des réductions à 40% x 2 plus 30%. Si c'est cumulatif, bah, ça veut dire que
entre son ult et le fait de taper avec n'importe qui de la front, on est déjà à 100% de la réduction de défense, et là on peut concurrencer certains autres personnages qui placent actuellement des buffs défense, des break def, des choses comme ça, mais c'est pas garanti. Il y a toujours pas non plus là encore sur ce skill le fait que cet effet reste tout le long du combat, même quand on perd Shiryu. Après normalement il est censé rester sur le terrain, c'est pour ça que je trouve qu'il a un rôle un peu bancal à l'heure actuelle dans son kit, entre l'utilité qu'on aimerait lui donner et vraiment le rôle qu'il va avoir de jamais tomber ou quoi que ce soit. Après c'est quand même un personnage qui va être pas facile à tomber. Est-ce que ça peut rejoindre du coup des teams très cancer sur la GS par exemple, sur des teams PVP de défense à base de personnages comme lui, Miu et tout le package qu'on a actuellement? La seule façon dont je le vois jouer pour ça, c'est si vraiment on allait jusqu'au bout d'une team défense où on jouait même pas Seiya, ni Poseidon, ni rien. Et d'avoir lui dans ce rôle-là, finalement, qui ne serait même plus un damage dealer, mais vraiment juste pour ne pas mourir pendant une minute 30. Le fait qu'il débuffe sa propre team de 40%, moi ça me semble quand même compliqué de faire fonctionner ça, mais il faudra faire des tests, comme je disais, pour en être sûr, mais j'ai du mal à y croire quand même, quoi. Après, vu qu'on voit qu'il est quand même pas mal utilisé sur la CN, il y a peut-être moyen de le faire fonctionner avec des cartes Araya notamment. Après, est-ce que sa carte Araya, comme beaucoup de cartes Araya personnages qui auraient pu carry ça, ben non, parce qu'on l'a déjà en fait. Là où par exemple, ben, on a compensé la faiblesse d'Athéna avec une carte qui gère sa tétanicité, on a compensé la faiblesse de Pandore avec une carte qui lui donne de l'invulnérabilité, des choses comme ça. Sur Shiryu, je sais, on a déjà sa carte, vu qu'on a la carte qui correspond à Doko et à la balance, qui est déjà estampillée à son nom. Je pense pas qu'il ait d'autres cartes name. Et enfin, pas à ma connaissance en tout cas, mais il faudrait voir avec des gens qui connaissent mieux la scène que moi. Mais ça me semble quand même difficile à compenser. C'est aussi pour ça que souvent, sur les armures ou sur la constellation, il y a quelque chose qui fait disparaître ça, mais là, c'est pas le cas. Et donc, sa constellation level 9, toujours le même principe, hein, il faut le jouer front, bon, en même temps... C'est un tank, pur tank, qui encaisse des dégâts, donc je vois pas trop comment jouer autrement. Lorsque Shiryu est au premier rang, l'effet de la compétence âme ultime du dragon prendra effet sur un autre allié au premier rang, c'est-à-dire que les bonus qu'on a vu précédemment qui proc sur lui proceront également sur le front qui est à ses côtés. Donc ça c'est pareil, c'est assez intéressant, mais ça se limite à la première ligne et pas l'intégralité de la team. Donc ça me semble trop ciblé et pas compenser la perte de défense globale sur la team. C'est vrai que j'y crois pas trop, je comprends son kit, hein, en soi ça reste un personnage fort, mais j'ai pas l'impression que ce soit un personnage c'est un personnage qui existe par lui-même, qu'il faut bien entourer pour pas que la team soit en défaut de lui ce qu'il apporte. Et donc j'ai un peu du mal à me dire que ça va fonctionner dans une team de défense où on pourrait contrer lui ou quoi que ce soit. On pourrait presque abuser de laisser son passif pour affaiblir la team adverse tout en contrant un autre personnage qui compenserait justement celle-ci avec du Seiya, avec du SDK. Donc ça me semble un kit un peu difficile à exploiter au final, quoi. Il a l'air fort mais pas Gamebreaker. Ouais, c'est ça. Mais en gros c'est un peu comme... Comme Shiryu Balance ou quoi que ce soit, et encore que Shiryu Balance, moi je le trouve presque mieux, même s'il va avoir moins de stats, etc. et tout, hein, il va être moins impressionnant, mais il a un peu le même rôle et il a pas ce défaut de ce qu'il applique sur la team alliée. Et ça serait un peu abusé de dire que Shiryu Balance est meilleur, hein, évidemment. Mais bon, dans ce rôle là, c'est un personnage qui à la limite mériterait presque, mais il s'est pas exploité du tout sur le jeu, d'avoir des teams avec où tu joues genre que deux fronts et tu joues rien derrière. Enfin, c'est des compositions que actuellement je pense pas qu'on ait besoin. Après ça reste un personnage qui va être intéressant en story pour affaiblir la team adverse, parce qu'on sait que dans des niveaux on a du mal à passer des niveaux de Another Dimension, de l'habit, de story. Le fait d'affaiblir la team adverse avec ses skills, pourquoi pas, mais vu qu'on a des choses qui peuvent le faire à l'open, ou des fois c'est plus intéressant de cibler un personnage pour rendre le combat plus facile. Enfin, j'arrive pas à lui trouver un rôle où il est vraiment... Enfin, où il clutch, quoi, où il apporte un plus que ce qu'on a déjà, entre guillemets. Et j'ai l'impression qu'il remplit sa fonction, mais qu'on en a pas forcément une obligation de l'avoir pour faire ce que lui apporte, quoi. Et donc ça c'est un peu particulier, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas vues comme ça à première vue,
qui, une fois qu'on aura fait des tests, ressortiront un peu. C'est un peu des personnages comme, comme Morphée ou des persos comme ça qui ont un peu le cul entre deux chaises, tu vois, qui font des choses mais qui le font pas forcément mieux que ce qu'on a par ailleurs et qu'on va pas forcément focus parce que on peut pas tout choisir et que finalement on a pris d'autres choses qui vont remplir ce rôle sans forcément avoir besoin de lui. Là où certains personnages vont avoir du mal à s'en passer bientôt, notamment comme Shen GC par exemple, ou comme on a eu par le passé, enfin c'est pas si loin, mais Athena GC par exemple. Je me demande si ça c'est 3 combattent avec Seiya Saji mis en front. Enfin, il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas. Après, je pense que la partie cet effet ne se cumule pas. C'est à prendre juste pour lui et celui qui est à côté de lui. Ça va se cumuler avec les autres bonus de réduction de défense. Donc pour moi, ça doit fonctionner. Sauf qu'on sait que ça, à l'heure actuelle, c'est pas fonctionnel parce que Athéna. Et alors je sais pas si Athéna est sortie avant ou après Shiryu sur la scène. Parce qu'elle est sortie beaucoup plus tard que chez nous, hein. Après si YGC par exemple. Je sais pas si entre temps il y avait déjà eu Shiryu. Parce que techniquement les Shion, les Athéna, ça permet d'encaisser quand même relativement bien les open, même des Moses, des Kaza, enfin il y a plein de cartes qui le font comme ça, mais pas forcément aussi bien. Qui souvent compensent largement cette capacité à faire des dégâts de Seiya Saji à l'entrée. Même avec ça, je suis pas sûr que ça suffise d'avoir 30% de plus sur l'open en break death. J'y crois pas trop, quoi. Mais comme je dis, il faudra faire des tests parce qu'il faut voir comment ça se met, comment ça se cumule, etc. et tout. Mais j'ai du mal à y croire quand même. Après, bon, je veux pas donner non plus l'impression que c'est un mauvais personnage, c'est pas le cas, c'est un excellent personnage quand même. Mais j'ai peur que actuellement il y ait d'autres priorités. Parce qu'on a d'autres personnages qui peuvent le remplacer sans trop de soucis. C'est un peu le problème des tanks actuellement, c'est qu'il y en a déjà des excellents et probablement certains qui sont arrivés trop tôt d'ailleurs, comme on disait. De quelle manière j'entends, comme tu disais tout à l'heure, si c'est multiplicatif ou additionnel? Ouais, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire, si c'est 30% de moins de ce qui reste, c'est moins intéressant que quand tu sommes tout, parce que si tu fais 80 plus 30, t'es déjà au-delà de 100%, donc t'as le break def total. T'es à 80% et qu'après tu enlèves 30% des 20% qui restent, t'es toujours pas à 0. Bon, ça reste quand même très fort. Hein, mais bon, ça on sait jamais comment c'est calculé. Et salut Money Player, et GG à toi aussi pour la qualif. Hein. On a vu que décidément on était voué à se rencontrer sur la GW, hein, c'est pas la première fois. Et on est passé tous les deux, donc GG à toi également. On a montré rapidement ça tout à l'heure, parce que finalement il y avait que ça à montrer de nouveau. C'est le seul mode qui est ouvert, donc on a montré. J'ai montré nos deux pseudos. En haut du classement qui passe pour la suite. Et après du coup on est passé sur le fait de parler de qui c'est qu'on va avoir cette semaine. Bon, a priori je pense que ça sera quand même Shiryu GC, même si on pourrait avoir le POG en même temps. Et que clairement l'affiche elle est mal fichue. J'avoue, en tank, un bon vieux Shion ou Athéna font le taf. Ouais, c'est ça. On a déjà Shion, on a déjà Athéna. On a déjà des persos qui peuvent faire du front sans être un tank. Même s'il y a GC par exemple, enfin il y a plein de persos, hein. On a joué à Iolos, on a joué à Frofront, enfin on a joué suffisamment de personnages beaucoup plus fragiles que ça, sans avoir besoin de kit aussi impressionnant. Certes c'est impressionnant, hein, sa capacité à résister aux dégâts, pour faire tomber pour le faire tomber ce sera compliqué, sauf que vu qu'il facilite le fait de faire tomber sa propre team, quand tu te retrouves en 1v5, certes Mew peut le faire, et je sais même pas s'il le fera mieux que Mew, quoi, et c'est dire s'il y a des questions qui se posent, quoi. Thanatos, ouais, Thanatos. Bon, Thanatos, c'est un peu particulier parce qu'il peut le faire fonctionner aussi. C'est pas le plus représenté. Mais Thanatos, oui, c'est un peu un exemple dans le même genre, c'est-à-dire qu'il a un kit très intéressant, mais faut être conscient de ce qu'on met autour parce qu'on crée un déséquilibre sur la team avec un 4v5, même si lui existe par ailleurs. C'est quand même des personnages qui vont requérir d'avoir une notion de construction de team assez poussée pour les rendre vraiment fonctionnels et utile, et que ce qu'ils apportent soit meilleur que ce qu'ils font perdre. Et voilà. Après, on a déjà des personnages qui fonctionnent comme ça, sauf que souvent dans leur kit, eux-mêmes s'enlèvent cette contrainte. Je pense notamment à Mew, qu'on joue beaucoup actuellement. C'est pour ça que je disais, la grosse différence, c'est qu'il y a peu de texte sur cette carte-là, contrairement à Mew, où il y en a peut-être trop, hein, au bout d'un moment, mais au moins tu sais qu'il fait des choses, quoi. Et tu sais qu'il essaie dans le temps de compenser ses faiblesses, compenser les faiblesses qu'il apporte à la team, etc. Et tout. Là, il n'y a pas cette notion-là.
Et le problème, c'est qu'on a déjà sa carte qui compense pas ça pour moi, même si la carte va dans le sens d'avoir un vrai tank, quoi. Un tank offensif, un tank qui se joue avec le temps, un peu à la façon évidemment de Shiryu Balance, qui a le kit avec les dragons, le renversement et tout. Donc il a des forces, hein. Il a des très très grosses forces, mais j'aime pas trop le fait qu'il apporte de la faiblesse. Là, on a plutôt déjà des personnages qui font ça très bien et qui rendent que plus tanky qu'autre chose. Après, c'est sûr que c'est un personnage qui fera plus de dégâts que Athéna GC, hein, ça c'est certain. Ou même que Chion. Ok, mais est-ce que ça suffit pour autant parce qu'il apporte pas tout le package à la team. Après, en complément, c'est-à-dire vous renforcez votre team avec Athéna GC, vous affaiblissez la team adverse avec Shiryu. Bon, ok, il y a du break def, mais il y a toujours des boucliers, quoi. En face, puisque en face, s'il n'y a pas de bouclier, à la limite, vous n'aurez pas besoin de l'affaiblir. S'il n'y a pas de bouclier en face, vous pouvez continuer de jouer ces Yasagi, quoi. Mais là, la problématique, c'est actuellement de passer les boucliers. C'est pour ça que Thanatos, qu'on évoquait, c'est pas très bon en ce moment, parce que de lui-même, s'il bouffe des boucliers, il prend pas de vol de vie. Enfin, et donc, du coup, le timing pour utiliser et valoriser Shiryu maintenant, je trouve qu'il est compliqué. En soi, avec le temps, forcément, un personnage qui est joué, parce que ça reste un des personnages très très forts, hein, à l'image de la plupart des GC, forcément, quand vous avez 3 teams ou 5 teams, ben oui, forcément, vous allez lui trouver une place, c'est obligé, quoi. Et à la limite, vous ferez un différentiel de puissance sur une team qui a pas, justement, par exemple, Chion et Athéna, et là, ça aura encore plus d'effet, et pourquoi pas jouer une team Shiryu, Shun, Seiya, Shiryu, Seiya, Shun, je dirais, c'est pas facile à dire. Voilà, un team comme ça avec même un Chion ou quoi, et faire une team qui juste abuse de l'open, effectivement, avec énormément de boost pour essayer de dépasser toutes les défenses adverses. Faut tester, mais je pense que c'est même pas suffisant, parce que de toute façon, l'intégralité de ses bonus, ils seront pas disponibles à l'entrée à part les 30%, mais avec son ult et son cycle. Ce qui fait que ça va quand même prendre un temps à proc, et même ça, du coup, bah, à l'open, t'auras un petit bonus. Quand Seiya va se relancer, t'auras peut-être déjà placé ton break def et autres, sauf que entre temps, si ça se trouve, Seiya aura pris une pichenette et il sera même plus là pour que tu profites de ça, quoi. Donc j'ai tendance à me dire que ça a l'air d'être un peu compliqué à faire fonctionner. Ça veut pas dire que c'est impossible, ça veut dire qu'il faut faire des tests pour trouver comment le valoriser. Mais en soi, sur lui-même, sur son personnage lui-même, sa capacité à résister et à faire des dégâts dans le temps, etc., avec son kit, c'est Araya, ce sera très intéressant de l'utiliser comme ça. Sauf que ce sera pas un tank à la Athéna, mais un DPS front, quoi. DPS front capable de tenir, quoi. Mais vu que actuellement on a déjà des très bons personnages qui font ça et qui sont sous-utilisés, je pense évidemment notamment à Shiryu Balance, alors qu'il a le kit et tout qu'il faut, du coup, je l'imagine juste jouer, d'une façon plus avancée que Shiryu GC, que Shiryu Balance, sauf que Shiryu Balance, certes, il est très très fort en story, mais on l'utilise peu ailleurs actuellement, quoi. Et j'ai peur que Shiryu, ça fasse un peu la même. Mais bon, à tester, si on arrive à compenser par ailleurs et à se soustraire du 40% sur l'ult de son propre côté, et qu'on profite juste du debuff adverse, là, ce sera peut-être cool, mais ça me semble quand même compliqué. Et donc pour moi, c'est plutôt à skip quand on voit tout ce qu'on va avoir d'autre qui va être plus qui va être plus impactant, on va dire, que lui. Parce qu'on peut pas le dire qu'il est mauvais, c'est pas un personnage qu'on va mettre trash tier, hein. C'est sûr que quand tu vois sa capacité de résistance, c'est beaucoup trop fort pour lui-même. Donc c'est un très très bon personnage, c'est un très très bon personnage pour la fin de la story où il nous faut des personnages comme Shiryu et comme Adgeti. Donc il a son utilité, c'est clair pour ça. Mais j'ai peur que dans un premier temps, on s'en serve un peu qu'autour de ça, quoi. Et qu'on se serve d'autres ressources en priorité qu'on a actuellement. Finir un Seiya GC, aller pull du Athéna, stock les pétales pour Shun GC qui aura beaucoup, beaucoup plus d'impact. Quand on voit tout ce qui arrive, à mon avis, c'est dur d'aller sur lui, quand même, quoi. Et à la fois, c'est dur de s'en soustraire parce que dans plein de modes, il pourra quand même être utilisé comme personnage qui va remplir des teams pour faire des rôles qui sont certes présents mais assez rares au final, et donc ça pourrait servir sur des teams quand on arrive à 4 teams, 5 teams. C'est vrai que ça va être difficile de s'en passer, sauf que aller le pool sans le maxer, puisque pour moi c'est un peu comme Shiryu Balance, les comparatifs vont être là souvent, c'est qu'il faut vraiment le maxer, lui mettre ses cartes à Raya, etc. et tout pour avoir le package pour le rendre vraiment utile.
Sinon, ça va juste être un... Ouais, après, on a bien utilisé Mew dans le rôle de « je tiens, je fais perdre du temps », pourquoi pas utiliser lui aussi. Après, Mew, il aide quand même sa team à tenir tout du long pour, même s'il se retrouve seul, se retrouver seul très tard. Là, j'ai peur qu'avec un Shiryu à sa place, par exemple, on perde la team beaucoup plus tôt. Et finalement, même si lui tient, ça tienne moins puisqu'il aura un plus gros focus. Bon, après, sûr qu'il a une résistance exceptionnelle. Je pense que ça doit être le personnage qui tient le mieux, peut-être un des rares qui pourra avoir maintenant concurrence à Mew sur la capacité à ne jamais le tomber. Parce que plein d'immunité, plein d'invulnérabilité, un petit clutch pour vol de vie en plus, même s'il faut voir comment ça se tasse avec les boucliers tout en face, parce qu'on sait que ça peut être un problème. Donc à voir vraiment comment l'utiliser, mais malheureusement, je pense que beaucoup vont devoir le laisser de côté parce que le timing, quoi, principalement. Pas parce qu'il est nul, mais parce qu'on a d'autres choses à jouer à sa place actuellement et qu'il faut bien skip les cartes pour la plupart des gens. Lui tombera pas, mais les quatre copains autour de lui vont avoir la goutte au front. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Pour moi, Mew, il remplit mieux ce rôle, même s'il faut tester. Mew remplit mieux ce rôle parce que Mew a quand même cette capacité à protéger un peu plus sa propre team pour qu'il fasse des choses avant de se retrouver seul. Même si souvent, ça se résume à Mew tout seul à la fin et qui tient envers 3-4 persos, quoi. Et là, j'ai peur que la faiblesse qu'il apporte, et vu qu'il renforce pas toute la team, ça compense pas l'effet de slip de Mew. Et surtout que le fait qu'il enlève même des... Enfin, qu'il fasse du break death en face, bah, ça suffit pas à faire tomber plus de personnages qu'on aurait fait tomber avec la team Mew. Parce que ça aurait pu être un équilibre entre les deux, en se dire, il y en a un qui fait mieux rester ta team, et il y en a un qui fait tomber plus vite la team adverse. Mais j'ai peur qu'on se retrouve quand même à du 1, V, 3, 4, 5, malgré tout. Et que dans ce cas-là, bah, même s'il tient, bah, vu que les autres seront tombés plus tôt, peut-être ça sera suffisant pour le faire tomber. Puisque le gros défaut qu'il va y avoir là, c'est qu'il les endormira pas ni rien. Il va se prendre tous les debuffs de la terre, même s'il y a une partie de ses skills qui sont pas debuffables. C'est pas l'intégralité, donc je suis pas sûr qu'il tienne aussi bien. Sauf qu'il va pas, il va devenir plus fort avec le temps, évidemment, mais il va devenir plus fort sur la partie attaque plus que sur la partie défense, vu les cartes qu'on va lui mettre, à mon avis. Compliqué, je pense. Faudra faire des tests. Mais les gens qui sont allés sur Athéna, Mew et compagnie, je pense qu'ils continueront avec cette team-là plutôt que rentrer du Shiryu GC. Quoi. Donc, et comme je dis, après il y aura Shun GC, il y aura Ikki évidemment qui sera très fort. Après il y a possibilité, si vous avez Focus Seiya GC et que vous avez déjà récupéré les tickets, d'aller peut-être sur lui et d'après restock si les autres personnages n'arrivent pas vite. Mais alors si Shun GC suit juste derrière, bon courage. Hein. Parce que si même on se dit qu'il y a deux Dark entre temps, donc il y a Shun Hades et Minos avant Shun GC, ça voudrait dire qu'après ce portail, et encore que vous ayez pu le finir dans ce portail uniquement et pas les suivants, ça veut dire que vous aurez pas de quoi récupérer assez de tickets pour aller chercher Shun GC, qui sera à mon avis plus impactant, enfin c'est même sûr, qui sera plus impactant pour beaucoup de monde que Shiryu quoi. Et là, à la limite, si vous avez fini, vu que sur les flèches, il y aura pas de perso à un moment, si vous avez récupéré Shiryu Balance, bah à mon avis c'est un meilleur combo d'aller chercher Shiryu Balance plus Shun GC et qu'aller chercher Shiryu GC et de se passer du coup de Shun par exemple. Mais compliqué quoi. Moi j'irai sûrement le chercher avec toutes les ressources que j'ai de côté. Donc pour moi c'est pas pesant entre guillemets puisque je sais que j'aurai les tickets là pour les prochains personnages. Je verrai si je focus lui, si je focus Shun Hades, peut-être Minos avec les ressources, parce que j'ai beaucoup de ressources, notamment beaucoup de boulons d'Arcane Light, des coffres, etc. et tout. Je sais que je peux me permettre facilement, on va dire, de passer des portails sans problème, et de toute façon, quand les futurs portails arriveront, je sais que je peux cash pour aller les finir, donc pour moi, c'est pas tout à fait la même problématique. J'attendais d'avoir un personnage que je savais que je ne regretterais pas de skip, le temps d'utiliser les ressources dessus, parce qu'il faut qu'il revienne, etc. et tout, dans les coffres, tout ça. Et pour moi, effectivement, ce sera probablement lui qui va faire ce switch-là et me permettre, dans pas très longtemps, d'utiliser des ressources qui commencent à s'accumuler un peu trop. Sachant que j'aurai peut-être le temps encore d'accumuler plus de ressources, que si on a des bonnes nouvelles mardi, fin demain, du coup, avec les statues ou quoi, j'aurai peut-être enfin de la place dans ma box, quoi. C'est un perso de passionné.
Oui, c'est un perso de passionné. Alors, bah, techniquement, tous les personnages peuvent être des personnages de passionné si on est passionné. En souvent, on a tous les personnages d'ailleurs. Par contre, si c'est un personnage que vous appréciez et que vous poulez dessus, un peu à la façon dont certains ont été sur Thanatos par exemple, dans un moment qui était peut-être moins propice à faire ce genre de choix, Shiryu, ce sera quand même utilisable dans une équipe. Et après, par contre, il faut plutôt avoir déjà, à mon avis, une team qui a ce profil-là si vous voulez le jouer en PvP. Si vous le jouez en PvE, par contre, ben dans la story, par contre, vous les trouverez une place sans aucun problème. Faut pas se leurrer. En story, ça sera un excellent, excellent personnage. Même si il y a déjà des personnages qui peuvent prendre le rôle que vous allez lui donner. Quoi. C'est là justement où je dis, c'est pour ça qu'on peut imaginer le passé. Certes, il est très fort, mais il n'est pas irremplaçable, contrairement à d'autres personnages qui vont arriver. Si on devait résumer en une phrase, quoi. Thanatos, hors passionné, on est trois à l'avoir pool, je crois. Oui, ça fait toujours plus de personnages qui ont pool lui que Radamante. Parce que lui, au moins, a une fanbase, entre guillemets, là où Radamante, tout le monde s'en fiche, quoi. Donc, il n'y avait ni les passionnés, ni les fans, ni les cash players, ni rien. Enfin, il n'y avait personne dessus. Et on l'a vu pendant le château d'Hadès, où littéralement, il n'y avait personne qui pouvait prêter des Radamante, parce qu'il y en avait genre trois par décade, quoi. C'était même pas par serveur, je crois, j'ai l'impression. Là, des sur UGC, si vous voulez en l'emprunter, il y en aura forcément, parce qu'il y en aura quand même qui iront dessus. Le fait que ça arrive, par contre, si proche de CIAGC et proche de futurs personnages qui seront quand même très, très, très forts, et enfin, même si lui est fort, il y aura des personnages encore plus impactants, on va dire, on va plutôt dire ça comme ça, pour être clair. Du coup, il y a quand même ce risque qu'il y ait pas mal de gens qui vont le skip, et donc, est-ce qu'il y aura tant d'emprunts possibles que ça, je sais pas. Mais c'est un personnage qui, je pense, viendra avec le temps, parce que les gens, une fois qu'il arrivera sur les roues stellaires, tout ça, je pense qu'ils auront quand même le récupérer par la suite. C'est juste que là, les pétales seront utilisés pour d'autres cibles. Mais vu qu'ils serviront des pétales pour les autres cibles, peut-être ce personnage qui est quand même très impactant, enfin très important, même s'il n'est pas impactant, il est très important mais pas impactant. Les gens iront compléter par la suite. Le défaut, entre guillemets, aussi du timing, c'est qu'il n'est pas dans les statuts. Et donc là, les gens, s'il y a les statuts qui arrivent, vont aussi focus un petit peu plus les personnages qui leur manquent pour monter les statuts light, notamment, je pense, ou éventuellement dark avec du 11 étoiles. Et donc, on va avoir tendance à aussi un petit peu utiliser les ressources tierces pour aller compléter des personnages qui sont pas encore à ce niveau-là, pour pouvoir être sûr de maxer notamment, je pense, au statut light et au statut feu, mais notamment au statut light qui vont du coup impacter les pools dark and light. Donc, je pense qu'il va être aussi un petit peu boudé à cause de ça, à mon avis. C'est pour ça que je trouve qu'il a pas un très bon timing, et que c'est pour ça que je partais plus sur un bouclier ou quelque chose pour cette semaine, une période de transition. Plutôt que directement Shiryu GC. Parce que là, on bouffe quand même beaucoup de Dark and Light d'affilée. Ça va être dur pour beaucoup de monde, quoi. Les timings sont quand même très très serrés. Après, j'avais du mal à me dire qu'il y aurait eu un rerun Dark and Light non plus. Hein. Je pensais pas que ça irait jusque-là. Mais, et bienvenue Shaki. Merci pour le follow. Bienvenue à toi. Installe-toi. Et donc, on verra. Et d'ailleurs, je crois que j'ai raté des follows. Je m'en excuse. Parce que là, du coup, j'ai pas des alertes sur cet écran-là. Mais je vais juste citer tous ceux là qui sont récents là, histoire d'être sûr d'avoir oublié personne. Donc Nabis, Lukum, Isley, Brinden et Shaki. Parce que je pense que j'en ai raté, désolé. Mais merci pour les follow. Parce que là c'est pas la scène habituelle, donc du coup j'ai pas le bruit des alertes sur cette scène. Parce que c'est une scène où on parle beaucoup et on lit à l'écran, donc c'est vrai que c'est moins explicite. Et bien le bonsoir Shaki. Désolé, j'espère que j'aurais cité tout le monde, parce que du coup je regardais mon. Sur le dashboard, j'espère qu'il manquait personne. Parce que j'aime bien saluer les follow quand même, ça fait plaisir d'avoir de nouvelles personnes qui nous rejoignent. Mais c'est vrai que vu que j'ai pas les alertes et que je lis le chat, et vu que j'ai pas le son, j'ai pu en rater. Ouais, ce soir c'est Dark Opal. Ouais, c'est Dark Opal celui qui rate les messages. Non, les messages normalement je les vois, mais c'est des fois les alertes quand je regarde le chat qui est pas sur l'écran des alertes. Du coup, quand il n'y a pas le son, des fois ça peut m'arriver de rater. Tu vois, ouais, j'arrête à des gens, je suis méchant. Il y a Pitodono, il va arriver, il va dire que je l'ai pas salué. Mais j'ai fait le clip, hein. Pour ceux qui étaient là sur l'affaire Pitodono, hein, j'ai fait le clip, j'ai bien dit bonjour et je lui ai demandé comment ça allait. J'ai vérifié quand même parce que ça m'a perturbé quand même. Mais non. Mais par contre, du coup, sur les alertes et sur les follows, c'est vrai que sur certains écrans où j'ai pas le son, pour que ça se gêne pas la lecture et la compréhension, c'est vrai que des fois, je peux rater. Voilà, sinon, on va attendre hein, quand même d'avoir la confirmation, on va attendre le patch de demain. Demain on reviendra éventuellement sur le personnage si on a la trad officielle machin tout ça sera plutôt mardi du coup après la
la mage, puisque mardi on n'aura que le patch note. Demain on parlera évidemment s'il y a des nouveautés, hein, des nouveautés qui est dans le patch note. On espère qu'il n'y aura pas que Shiryu évidemment. Ce qu'il pourrait y avoir par contre, c'est le POG. Puisque, comme on a dit tout à l'heure, l'image elle est un peu confusante. Si je la remets, ça va être celle-ci. Elle est un peu confusante parce que du coup, le personnage qui apparaît dessus, c'est Shiryu armure de bronze ou Shiryu POG. Et pas Shiryu GC, mais ça serait bizarre que ce soit pas Shiryu GC quoi. On va partir du principe que c'est quand même lui. Sinon sur Shiryu POG, j'ai fait aussi... J'étais chercher le manga sur Gachap, on a tous ses skills. On peut les parcourir rapidement au cas où pour voir un peu. C'est un personnage que je connais pas trop, donc je vais le découvrir avec vous. Ce sera un exercice un petit peu différent là. Parce que pour Shiryu, je m'étais un peu renseigné, puis du coup j'avais retraduit les skills, donc j'avais relu un peu le détail. Oui, un charron au pharaon aurait été plus logique. Ouais, ou Rémi, je sais pas dans quelle ordre ils vont sortir, mais Rémi, Charon, Pharaon, enfin ça laissait quand même du monde à sortir un personnage bouclier avant d'enchaîner directement sur un Dark and Light quoi. Surtout qu'on n'a pas encore les statues ni rien, donc pourquoi faire des Dark and Light alors qu'on a déjà tout le package. Il y avait des choses à faire, on aurait pu patienter sans problème quoi. Donc si on regarde le Shiryu POG, donc pour le principe hein, des POG, ça restera toujours le même, hein, c'est 25€ plus ou moins les taxes ou beaucoup trop de ressources pour aller les chercher, donc faut vraiment qu'il soit intéressant. Le Seiya, c'était pas la peine d'y aller pour personne, sauf si vous voyez de la résonance, donc c'était vraiment un personnage destiné au cash player quoi dans ce cas-là. Sur le Shun Pog, c'était pas très convaincant. Sur le Yoga Pog, on sait qu'il aura de l'utilité plus tard, donc ça pourrait être pour l'instant le plus intéressant. On va voir un peu ce que fait le Shiryu Pog, qui risque d'avoir, je suppose, un package, là encore, comme pour les Pog, similaire au bronze, plus un skill supplémentaire. Son premier skill, c'est Rosan Shoryuha, donc toujours les armées de dragons, les classiques, hein. C'est Shiryu, on cherche pas Nikki qui gagne. Donc Shiryu a explosé son cosmos, libérant le dragon bleu pour causer 450% de dommages d'attaque. Alors ça c'est pas mal, hein. 450% de dommages d'attaque, c'est pas inutile, sauf que c'est à une personne et au premier rang. Déjà on se dit, oui, c'est mal parti. Mais bon, on aime bien plutôt actuellement des attaques qui touchent tout, surtout quand c'est des attaques qui vont avoir des effets de contrôle, des choses comme ça. Donc. Effet envoler l'ennemi, donc voilà l'effet de contrôle, au premier rang pendant 2 secondes. Ça c'est pas négligeable, on peut supposer là encore que vu que c'est un effet de ce type là, c'est un effet de type interruptif, un peu comme les renversements et autres. Et encore c'est pareil, il va falloir attendre la traduction et être sûr qu'on ait ça sur la version globale. Envolée est une interruption, bah, ou en fait on a la réponse derrière. Envolée est une interruption et n'est pas affectée par l'immunité au contrôle telle que bénédiction de Dieu, donc ouais, ça fait partie des effets qui sont très intéressants. L'interruption sur un personnage, mais là bon, pas sur une team, si on avait ça sur une team, ça serait probablement trop fort pour un personnage du type. Là, c'est quand même pas mal de dommages. Ça monte jusqu'à 550% sur une cible unique en front, avec la durée d'envol, on va appeler ça comme ça, qui est étendue à 4 secondes. Donc un premier skill certes ciblé, mais qui est pas négligeable. Hein. Ça peut permettre de contrer des personnages en front. Après, ça a l'air d'être aléatoire et d'être pas ciblé sur le personnage qui est en face. On aime aussi de temps en temps avoir des personnages qui ciblent les personnages quand on les place. Là, ce sera pas le cas. Mais ça reste quand même correct. Même pour, si pour un ult, on préfère, comme je disais, des ults qui ciblent tout le monde plutôt qu'une cible unique. Le deuxième skill, bouclier du dragon. Shiryu lève le bouclier du dragon, augmente sa défense de 40% et est immunisé contre les effets d'envolée et renversement. Donc pourquoi pas le mettre dans des personnages qui auraient ce style d'effet. Dans l'état du bouclier levé, il récupère 15% de ses propres PV en 5 secondes. C'est pas mal, mais c'est un peu lent, je pense. Effet de récupération de PV augmenté à 20%, la défense de 50%, et l'effet de récupération augmenté à 2%, donc je suppose qu'il faut lire 25, parce que c'est une erreur de traduction, parce que sinon c'est un peu bizarre, donc je pense que c'est 15, 20, 25. Donc c'est quand même pas si mal, de la défense augmentée à hauteur de 50%, 30% de PV récupéré en 5 secondes, ça fait des bonnes capacités de survie. On voit que c'est un start time à 0001. Bon, ça sera interrompu par Seiya, mais sinon ça démarre très vite. Renforcement PV. Étant lavé par la cascade de Lushan toute l'année, non, c'est pas si, le corps de Shiryu est devenu extrêmement résistant et ses PV max augmentent de 25%. Lorsque Shiryu est présent, les PV de toute l'équipe vont augmenter, mais ils ont uniquement un effet de 50% de Shiryu. Donc en gros, il augmente les siens de 25% et toute la team 12,5%. C'est pas mal ça. Lorsque Shiryu est présent, les PV max de toute l'équipe vont augmenter, mais ils ont uniquement un effet de 60% de Shiryu. Donc en gros, ça fait 25% pour Shiryu et 15% pour l'équipe.
C'est pas mal. J'aime bien le principe. Je trouve presque ça plus intéressant que du coup les baisses de défense du GC. Lorsque Shiryu est entre dans l'état de mort, il brûle tout le cosmos, causant 600% de dégâts d'attaque à l'ennemi avec la puissance lab. Donc c'est encore un truc qui cible une cible unique. Pour chaque 500 points de cosmos accumulés dans cette bataille, les dégâts de cette compétence sont montés de 1%, mais ils ne dépasseront pas 900%. De puissance d'attaque de Shiryu, pour 500 points ça augmente de 2 et c'est limité à 1200, pour 500 points ça augmente de 3 et c'est limité à 1500%. Donc là en gros c'est s'il meurt il explose quoi, littéralement quoi. Comment c'est dans Final Fantasy là. Les Bumbo, je sais pas pourquoi j'ai Bumbo en tête. Les bombes de feu là qui explosent, ah je trouve plus les mots, terrible. C'est on le tape, boum il explose, ok. C'est intéressant, c'est pareil, ça change, ça, pourquoi pas. C'est un Dark Phoenix en mono-cible. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça, oui. Après, Afro fait aussi ça en multi-cible. Mais c'est basé sur des dégâts de poison et pas des passants cosmos. C'est déjà des choses qu'on a, mais c'est quand même intéressant pour un personnage de ce genre. C'est un peu plus original, je trouve, que les autres pop pour l'instant. Lors de la libération du bouclier du dragon, les dégâts subis sont réduits de 25%. Donc, il prend pas mal de PV et pas mal de défense. Lors de la libération du bouclier du dragon, les dégâts sur l'ennemi sont réduits de 50%. Il n'est pas nécessaire de garder la position du bouclier levé. Donc en gros, c'est définitif. L'âme de dragon de Shiryu augmentera la puissance de Shiryu pour chaque diminution de 10% de la défense de Shiryu. Sa puissance d'attaque augmentera de 2% jusqu'à un maximum de 100%. Mais c'est littéralement un contre à Shiryu GC en fait. Faut le mettre en face de Shiryu GC. L'âme de dragon de Shiryu augmentera sa puissance de Shiryu. Pour chaque diminution de 10% de la défense de Shiryu, son vol de vie et sa vitesse d'attaque augmentent de 1% supplémentaire. Jusqu'à 50% de vol de vie et de la vitesse d'attaque. C'est pas mal, j'aime bien son kit. Parce qu'il se renforce quand même beaucoup quand il perd. Et du coup, est-ce que ça s'applique avec lui-même, entre guillemets, je suppose. Les 40% que lui font perdre Shiryu GC si on le joue avec lui. Du coup, ça le booste avec toutes ces caractéristiques-là. J'aime bien ça, j'aime bien cette petite combinaison. Et s'il est en face d'un Shiryu, d'un personnage du type qui baisse la défense, du coup il se renforce. C'est intéressant, j'aime bien son kit. Je sais pas si ça fonctionne, mais en tout cas c'est un peu plus original que ce qu'on a eu jusqu'à présent, et ça a l'air plutôt fort. Il break def, il t'arrache, ouais c'est ça. Il se renforce quand tu le break def, et il prend des capacités à de survie en plus, de vol de vie et autres qui vont compenser ça, c'est pas mal. Moi, je trouve plus intéressant que le CIAGC qui doit se boost quand les gens sont morts autour. Quoi. Et du coup, c'est Constel. Au début de la bataille, la défense sera augmentée de 150% supplémentaire. Waouh! Puis la défense de Shiryu réduira de 12,5% chaque seconde jusqu'à ce que la défense tombe à zéro. Ah, mais c'est génial ça! Il booste sa défense en début de jeu, il baisse lui-même sa défense, donc il se renforce avec les autres critères lui-même. Donc il se retrouve lui-même à 0% ou par l'effet des personnages adverses ou de son propre Shiryu GC, il va se booster très très vite quoi. Ah, j'aime beaucoup cette dynamique. Faut voir si ça marche, mais ça c'est vachement intéressant. Au début de la bataille, la défense sera augmentée de 400% supplémentaire. Waouh, c'est gigantesque. Puis la défense de Shiryu réduira de 25% chaque seconde jusqu'à ce que la défense tombe à 0. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout comme Pog. Hein. Bon, ça oblige à jouer sa Constel. Son armure, ça serait un plus. Je pense que sa Constel, au moins à 3, est nécessaire. Bon, après, c'est encore plus gigantesque à 9, mais je pense qu'à 3, avec même 20 d'armure, je pense qu'il est déjà jouable. Hein. Ah, vachement intéressant pour les labis et tout. J'aime bien cette dynamique. Il a la Raya immobile comme une montagne intégrée. Ouais, c'est ça. Mais surtout que ça va durer plus longtemps. Hein. Parce que là, s'il perd combien par seconde? Il perd 25 par seconde. Donc avant d'être en dessous de 300%, il est déjà au-delà des 4 secondes. Donc c'est déjà mieux qu'immobile comme une montagne. Hein. Enfin bon, immobile comme une montagne, il donne des stats aussi. Il donne pas que la compétence. Hein. Faut pas déconner non plus. Je pense que l'immobile reste mieux. Mais... Et bonsoir à Yulia Saga. J'aime beaucoup ce kit. Hein. J'aime beaucoup ce kit. J'avais beaucoup entendu parler de Shiryu Pog comme un bon Pog, contrairement à beaucoup d'autres.
Ça m'a l'air pas mal, hein. Ça m'a l'air très intéressant son kit. Après, il faut voir si ça fonctionne, c'est toujours pareil. Parce que bon. J'en joue jamais un personnage tout seul, quoi, globalement. Faut voir comment ça se met dans une team. Mais plutôt agréablement surpris, hein. Ça c'est pas mal, ça. Enfin, pas ce skill en particulier, mais. J'aime bien l'interaction perte de défense et le fait qu'il se l'enlève lui-même tout seul. Hein. Ce kit autour de je gagne de la survie en enlevant ma défense, en étant très résistant au début du combat, puis tout au long du combat je me renforce et je prends de plus en plus de vol de vie et tout. C'est pas mal. Après le défaut qu'il va avoir, c'est pour ça qu'on ne jouera jamais dans les teams principales de G-Squad, c'est que c'est du mono-cible, donc ça va être embêtant. Mais pour cibler des personnages en particulier, que ce soit dans le lobby, dans la story, etc. J'aime bien, franchement. Alors peut-être que le Yoga Pog sera meilleur une fois qu'il y aura Yoga GC et compagnie, mais ce Pog-là, s'il sort dans la semaine, là, en même temps que c'est YAGC, je trouve que c'est un personnage qui, lui, sera intéressant à chercher cette semaine, là où Shiryu pourrait être cherché avec le temps, quoi. Ça peut faire un perso de contre supplémentaire. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais. Ça peut être un personnage de contre même intéressant pour les trucs qui break def et tout, quoi. Alors à tester parce qu'il faut voir comment ça se met. Parce que le problème c'est qu'il risque d'avoir des stats un peu chips hein, dans les méta actuelles où on a tendance à utiliser beaucoup de Dark Knight avec des grosses grosses stats. Même pour certains des armures 40, des constels 36, enfin, on voit des trucs de fou maintenant. On n'ira jamais jusque là sur un personnage de ce type là. Et c'est aussi pour ça qu'avec le temps sur la scène je pense que les personnages qui ne sont pas Dark Knight et qui n'ont pas des stats avancées sont peu représentés. Là où notamment par exemple ben, Mew qui a des stats gigantesques du coup passe ce cap là. Et ce sera sûrement le cas des prochains personnages Flash et tout qui sortent, qui ont des stats bien au-dessus des personnages de base du jeu, évidemment. Là, je suis pas sûr que lui se retrouve avec des stats qui permettent de le mettre en concurrence avec tout ça. Mais en soi, sur son kit, c'est un kit plutôt intéressant. Et ça a l'air d'être un personnage tout à fait jouable pour le coup. Ça, c'est plutôt pas mal. Assez indépendant, mais qui a un kit en plus de contre-potentiel. Ça me plaît bien ce petit kit-là de Shiryu Pog. Ça me plaît beaucoup. Je me demandais pourquoi j'en entendais plus parler que les autres, je comprends mieux maintenant, c'est qu'effectivement il a quand même un kit qui a l'air plutôt fonctionnel quoi. Là où par exemple celui de CIAPOG, ça marche pas du tout, c'est trop complexe à mettre en place. Là il est indépendant sur sa prise de puissance avec sa constelle. Bon, sans sa constelle à mon avis ça ne marche pas par contre. Mais ne serait-ce qu'avec la constelle 3 pièces. Ce qui est accessible, on va dire, ça a l'air jouable. Après, le pourcentage à l'entrée de la 9, elle a l'air vraiment très satisfaisante. Mais bon, c'est plus difficile d'aller chercher 9. Et je pense pas qu'on aille jusqu'à faire un swap de concept pour lui. C'est Yapok, faut pas en parler. Si on l'ignore suffisamment longtemps, il finira par disparaître. Ouais, peut-être. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont mis en même temps que c'est YGC d'ailleurs. Et que lui, qui a l'air plus intéressant, il sera peut-être pas là en même temps que Shiryu. Parce qu'ils l'ont passé un peu. Oh, regardez, il y a un Seiya, et si vous voulez, vous avez un deuxième Seiya, vous pouvez l'acheter. Parce que, purée, qu'est-ce qu'il est nul. Est-ce que c'est le pire perso? En termes de hype et de redescente, sûrement. Après, bon, Capella, Dio, Marine, tout ça, ça doit être quand même moins bien. Et pour un personnage achetable sous format, c'est quand même pas terrible. Alors que là, c'est plus intéressant quand même. Et ouais, je pense que je le testerai en lobby et tout, notamment, si ça peut pas sûr. Donc. De toute façon, je vais par défaut chercher les POG, hein, qu'ils soient bons ou mauvais, juste pour la résonance. Je m'approche d'ailleurs du niveau max de résonance, donc j'irai probablement le chercher, surtout si j'attends pour Shiryu. Parce que je risque, sur la période, les 2 semaines d'atteindre, à mon avis, les 530. S'il y a Shiryu POG, ça me permettrait d'avoir 5 niveaux supplémentaires et de gagner un peu de temps. Ce qui me frustrerait moins du coup de pas prendre directement Shiryu sur les tickets quoi. Mais j'aime bien ça quoi. Donc s'il sort en même temps, moi ça m'arrange. On va repasser sur l'écran classique. Je mets le dashboard, le Streamlabs en état. Et ouais, ça c'est plutôt pas mal par contre ce petit. Vous pouvez utiliser le code de LDRIL5 sur Aptoid, visiblement. Tu vas réussir à te retenir d'être passionné de tirer sur ce UGC?
Oui, parce que j'ai déjà expliqué pourquoi, hein. C'est un peu particulier. Mais là, les raisons de pourquoi je me retiens, c'est parce que j'ai trop de ressources. J'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12 doublons light. 2, 4, 6, 8, 9 doublons dark. Parce que là, j'ai des trucs fusionnés. Donc j'ai 21 doublons, soit 7 personnages à aller récupérer sur le portail. Enfin, sur le truc d'échange, là. Je vais avoir bientôt de quoi, à mon avis, avoir 2 personnages ici aussi. Je suis déjà à 2500 et on a les récompenses de ce mois-ci qui sont pas encore tombées. J'ai également 4 coffres Dark and Light. Et ensuite 175 Roustellaire. Donc il y a un moment, faut que je les utilise. Sinon, je fais n'importe quoi avec. Je vais chercher des Zélos et tout. Vraiment, ça va pas. Donc je me suis dit, il faut que je choisisse un personnage à skip que j'irai récupérer comme ça après quand il sera disponible sur tous ces trucs. Parce que si je pull à chaque fois tous les Dark and Light max, comme je fais, ben je fais qu'accumuler des ressources qui me servent pas, ce qui est très très con. Ah oui, dès qu'il arrive dans le pool, tu le max avec les ressources que t'as sur le côté, c'est ça. Enfin le maxer, je sais pas si ça fera, si ça le maxera, mais... Là ça fera... Ça fera au moins 3, plus 7, plus 2... Plus 4, ça fera déjà au moins, au minimum, 16 doublons. Sachant qu'il en faut 22, je crois. S'il y en a des... En plus, il y a des chariots offerts. Donc voilà quoi. Il sera quasiment maxé dès qu'il sera disponible là-dedans. Et ça m'évitera de gâcher des ressources ou de les stocker pour rien. Voilà quoi. Il y aura au moins un Styx le temps qu'il rentre dans le pool, donc encore un coffre. Oui, c'est ça, il y aura forcément des events le temps qu'il rentre dans le pool pour y récupérer un coffre en plus ou je ne sais quoi, donc c'est sûr. C'est obligé. Donc j'aurai largement de quoi le maxer si je veux le maxer. Sinon, j'attendrai peut-être Sean Hades s'il m'inspire plus. Ou je sais pas, moi Minos ou quoi que ce soit. Là où par contre, c'est sûr, j'irai sur Sean GC. Sachant que sur Sean GC, là j'ai déjà... c'est où ? J'ai déjà 412 pétales. J'en aurai 220 ou 250 sur le portail du coup pendant 2 semaines là que j'aurais pas utilisé. Donc j'arriverai au prochain, que ce soit Shun GC, Shun Hades ou quoi que ce soit, avec quasiment assez de pétales pour ne pas mettre un centime encore là quoi. Donc c'est plutôt cool. Ça me permet de focus d'autres choses comme les cartes Aria, etc. et tout. Sauf qu'il faudrait des events pour ça. Donc là, autant dire que c'est bien. Au moins, je dépense pas trop en ce moment. C'est pas mal aussi des fois, t'es pas obligé de dépenser tout le temps. Alors je sais que j'ai une place amie, je suis désolé pour les gens que je vais refuser, mais je garde une place amie de rap parce que c'est assez rare, donc je la garde de côté. Si Sean Hades pouvait attendre avant d'arriver, ceci dit, ça serait cool. Ouais, mais je pense que Sean Hades, ça, pareil, il va falloir le skip, même si j'aime bien son kit, mais ça va être un peu pareil quoi, ça va être un front, enfin ça va être un tank. Il y a Minos qui va être impactant sur le PVP, il y a Sean GC qui va avoir trop d'impact. Je pense que pour les gens, vous allez être obligé d'attendre un petit moment, sinon vous allez être frustré pour pas, vous allez plus pouvoir avancer après. Là, je pense que la méta va pas être trop changeante. Après, ça dépend ce que vous ciblez comme mode, hein, mais je parle souvent PVP pour ça, pour l'optimisation des Dark and Light. Et là, je pense que la méta est assez stable, donc je pense que vous serez pas frustré parce que c'est pas forcément des personnages qui vont rentrer dans la méta actuelle. Et par contre, faut pas être frustré de pas pouvoir pull, faut mettre des tickets de côté et des ressources pour que quand il y aura justement tout ce qui va être la série Shun GC, Yoga GC, Iki GC, que vous ayez pas de frustration et que vous ayez déjà des ressources pour y aller sans que ça vous coûte très cher quoi. On a l'opportunité avec la CN de pouvoir un peu gérer ça, et surtout que s'ils changent l'ordre, au moins vous aurez pas de mauvaise surprise si vous avez stacké un petit peu. C'est pour ça que ça me va bien là, le rythme actuel pour moi aussi, parce que du coup j'ai pas de frustration, parce que je sais que le personnage que je vais skip entre guillemets ici, j'aurai par la suite, et que de toute façon pour l'instant la seule chose qui me manque c'est 2 doublons de Zélos, donc j'ai pas grand chose à aller chercher. Moi ce que j'attends, c'est d'utiliser toutes ces ressources là, et j'espère que du coup ça sera la bonne nouvelle de demain, parce que j'en ai ras le bol. Ça m'énerve plus que de pas pouvoir pull sur les portails. Et regardez moi ça quoi, je suis obligé de fusionner tout en 10 000 exemplaires, j'ai même plus de 5 étoiles, donc quand je vais commencer les statues, va falloir que je décrafte les 8 étoiles pour avoir des 5 étoiles, parce que je peux plus garder les 5 étoiles parce que j'ai pas assez de place même avec 300, enfin c'est ridicule, faut vraiment faire quelque chose. Sachant que si demain ils annoncent que leur grande nouvelle c'était les 50 places amis,
Alors ça, je serais content qu'on ait 50 places amis, mais je serais très déçu qu'on ait rien du tout à côté. Quoi. Donc demain, je vais être le premier à faire du F5 sur le Facebook et tout, là, pour voir ce qui se passe. Quoi. Parce qu'il y a intérêt à pas être... Il y a intérêt à donner, hein, demain. Parce que là, c'est pas possible. Hein. Mais surtout qu'il y a rien à faire, en plus, en ce moment. Et encore là, du coup, c'est pour ça que j'en ai profité aujourd'hui pour passer un petit peu en revue... même si c'est pas lui demain, parce qu'il y a tellement peu de contenu qu'à part parler un peu du nouveau personnage et encore potentiel seulement. Il n'y a pas forcément grand chose d'autre à présenter. On peut espérer que demain, par contre, on ait des bonnes nouvelles et qu'on puisse parler un petit peu du patch et ce qui nous attend. Parce que sinon, ça va être dur. Oui, il y a GW, mais on en a parlé genre une minute. Et la seule chose que j'ai dit qui était intéressante, bah, c'était juste pour dire qu'il y avait, qu'avec moi, il y avait Money Player. Voilà. Parce que moi, mes matchs, on s'en fout. C'est sûr, c'est faire. Je fais jamais autre chose que 7 depuis un moment sur la GW. Et j'ai vu qu'il y avait Money Player qui est souvent dans la... que je rencontre souvent du coup dans la GW. Et donc j'étais content qu'il passe avec moi. Ah, c'est la seule chose qu'on a commenté tout à l'heure avant de parler de Charlie, quoi. Tu penses que l'on risque d'avoir quoi comme bonne nouvelle? Donc moi, la meilleure des nouvelles, ce serait... Alors ça joue entre deux choses. Il y a deux bonnes nouvelles que moi j'aimerais voir. C'est les statuts pour la partie jeu global, quoi. Parce qu'il y a un moment, faut qu'on puisse utiliser des ressources qu'on a mis de côté. Je rappelle aussi hein, que ce qui me frustre sur les statuts, c'est que je suis à 180 000 diamants. Hein. Je rappelle que je garde mes diamants également pour les statuts. Donc j'ai beaucoup de ressources que je garde pour tout. Salut Kyuk. Et il y a beaucoup de ressources que je garde pour les statuts et tout. Donc j'aimerais perdre cette frustration de me bloquer pour avancer là-dessus. Donc j'aimerais qu'il y ait les statuts. Sinon j'aimerais bien qu'il y ait bah, les 50 places amis ou des petits trucs comme ça. Mais surtout la deuxième chose que j'aimerais avec les statuts, ce serait la refonte de la GSI. De la qualification pour la GSI, parce que c'est très frustrant. On peut avoir plein de choses. Il y a des choses où ça serait, où je suis mitigé, mais genre si on nous annonce un merge du 1.20-21.40 par exemple, ce qui pourrait du coup aller avec la refonte de la qualif GSI et tout, bah du coup ça me ferait plaisir dans un sens, mais bon j'ai peur que ça crée un peu des déséquilibres sur le 1.40 comme on a eu quand on a fusionné 1.10-11.20. Donc je suis toujours un petit peu méfiant qu'il y ait des tensions, des choses comme ça sur le jeu, c'est des fois ça m'agace un peu. Donc là j'espère que ça se passera bien si c'est le cas. Mais s'il y a une refonte de GSI, ce sera probablement avec le merge, donc ils annonceront les deux si c'est le cas. C'est une semaine de transition où il n'y a rien, donc si c'est pas maintenant, ça sera dans très longtemps. Du coup, ça sera dans 6 semaines ou 12 semaines, etc. Donc c'est entre guillemets, ça pourrait être ça qu'ils annoncent là maintenant aussi. Après, ça pourrait être plein de choses, mais pour moi, le reste, c'est plutôt des choses qui sortiront après. Les liens, les stigmates, tous les plus qu'il y a sur la scène. Il n'y aura pas de nouveau mode, je pense, parce qu'on a déjà eu Relique des Dieux, donc ce serait bizarre qu'on ait le mode à 3 guildes ou des choses comme ça qu'on attend aussi. Et sinon, je vois pas trop ce qu'ils peuvent corriger d'autre, puisqu'on attend surtout les nouveautés, quoi. Et bonsoir, The Sig. Donc, j'ai pas spécialement de pronostic. À la limite, je peux vous faire un petit sondage pour vous demander vous ce qui vous intéresse. Parce que ça, par contre, ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus que moi d'essayer de deviner des trucs. J'aime bien savoir un peu ce que les gens veulent, parce que souvent moi j'ai un peu des avis un peu tranchés par mon prisme de joueur cashplay. Nouveau sondage. Alors c'est pas qu'est-ce que vous estimez qu'il y aura, mais qu'est-ce que vous voulez, que je vais poser comme question. Que voulez-vous pour cette mage? Parce que si vous essayez juste de deviner, c'est moins intéressant. Les statuts c'est vraiment bien. Ouais, les statuts, c'est bien pour utiliser ses ressources, et c'est bien sur les bonus que ça apporte. Ça va renforcer ta team, et ça va aussi renforcer le power cap, ce qui va débloquer pas mal de gens. Bon, moi je m'en fous, parce que j'ai fini la D900 et j'ai fini la story, donc ça m'apporte rien pour le power cap, mais pour plein de gens, ça va leur permettre d'avancer notamment en story, et donc d'obtenir plus de récompenses, etc. et tout. Ça va permettre aussi de changer un petit peu la méta, éventuellement, avec les compétences qu'il y aura liées au statut, puisque en plus des stats, tous les rangs de statut, tu débloques des compétences particulières qui sont spécifiques à différents éléments. Genre pour le feu, c'est tu fais plus de brûlure, donc tu mets plus de crit, tout ça. Alors je vais vous proposer les statuts. Je vais mettre plusieurs choix à répondre, plus de réponses possibles. Qu'est-ce qu'on peut proposer? On va mettre des petits changements. Type 50 places amis. Là c'est pour ceux qui veulent mettre... Ah, ça rentre pas. On va mettre petit changement. 50 amis. Mais ça peut être d'autres choses. Hein. Mais des petits correctifs, quoi, globalement. Des petits trucs slice of life, des petits trucs qui facilitent un peu la vie.
Qu'est-ce que ça pourrait être? Je vais mettre un nouveau mode quand même si j'y crois pas trop, mais il y a peut-être des gens qui veulent un nouveau mode. Ouais, pareil, si vous pensez au lien, par exemple, mettez dans statut, quoi. Parce que c'est un peu même, le même genre de buff. Je vais mettre lien, statut, stigmate. Et je pourrais avoir un peu des classes de ce que vous attendez dans le jeu. Je vais mettre aussi un truc statistique. Parce que moi, c'est partie des choses que j'attends aussi, et j'ai vu que sur la scène, c'était arrivé. Sur le live de Necro. Donc les statistiques, c'est... Bah, comme on a pour les Araya par exemple, mais là on les a pour les différents modes. Ça permet d'avoir notamment des stats sur qu'est-ce qui est le plus joué comme personnage, tout ça, tout ça. Donc j'ai mis les statuts, des petits changements, un nouveau mode, des statistiques. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir en point 5? J'ai encore de la place pour un cinquième sondage. Voir un peu ce que vous aviez proposé avant, si jamais il y a des trucs qui m'inspirent. Les shops, ah ouais. Ça c'est gros, c'est pas un petit changement, ça. Ça c'est très attendu. Ça c'est très très bien. Très très bien vu, Arrakis. Ça c'est très bien. Je vais vous laisser 5 petites minutes. Et ça sera comme ça, tout le monde aura le temps de voter. Hop, vous pouvez voter. J'ai pas relu, j'espère que ce sera lisible. L'amélioration des shops serait vraiment cool. Ouais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent la revue des shops. Notamment pour récupérer les personnages supplémentaires, compléter des personnages. Je sais que c'est important pour du monde, c'est pour ça que j'aime bien faire ça, parce que moi je vois beaucoup les nouveautés du genre statut. Je suis assez insensible du coup au shop parce que j'ai tous les persos, mais je sais que c'est des choses que beaucoup de gens attendent. Donc ça permettra de voir avec le sondage justement si peut-être il y a peut-être juste plus de gens qui attendent les statuts, les boutiques que les statuts par exemple. Ou les petits trucs qui facilitent la vie comme les amis ou les trucs comme ça. Les statistiques, je pense que ça intéresse pas grand monde, mais je sais que ça arrive du coup. Moi, je sais que ça faisait partie des choses que j'avais demandé il y a très longtemps, notamment d'avoir les teams qui sont utilisés dans la story, parce qu'on a souvent des questions là-dessus. Et contrairement à l'AD ou le Labi, on peut pas voir les teams qui sont déjà passés, alors que ça aurait été intéressant d'avoir ça aussi comme information. Ils l'ont fait d'une manière un peu dégradée avec les statistiques, mais il y a ça qui arrive aussi, quoi. Je vois que pour l'instant les boutiques sont très très en avance. Après c'est ce qui a été beaucoup réclamé, donc ça pourrait être ça hein, qui arrive. Parce qu'ils ont dit quelque chose qui avait été beaucoup demandé, etc. et tout quoi. Donc ça pourrait être les boutiques. Alors moi ce serait un petit peu déceptif pour moi parce que ça m'apporterait rien. Mais par contre je conçois que pour la communauté ce sera important. Et je vois que ça se reflète dans le sondage là puisque vous êtes très nombreux à voter pour ça. Entre les statues et les shops, je suis partagé, vidé de son stock dans les boutiques ou monter sa box avec les statues. Ouais, c'est difficile, mais je pense qu'effectivement, pour la majorité des joueurs, peut-être les boutiques, ça va leur apporter plus vite quelque chose, parce que pour les statues, ben, il faut, et tout le monde n'a pas forcément anticipé, n'a pas les ressources, etc. et tout, donc ça va être un nouvel investissement dans le temps pour beaucoup de gens. Là où il y a une certaine immédiateté avec les boutiques, donc je conçois que la plupart des joueurs soient, comment dire, intéressés par ça, et ça se reflète beaucoup dans le sondage, je comprends tout à fait. Donc je serais déçu pour moi, mais je serais content pour les autres. Bah, ça me fait aussi plaisir. Mais moi, ça m'apportera rien, effectivement. Mais je conçois que pour une personne qui veut compléter un personnage d'arc, pour avancer sur l'habi, pour avancer sur maxer un personnage, je conçois que ce soit important. Et salut Nil. Mais là, c'est très très net, hein, puisque pour le coup, il y a 8 personnes qui ont voté pour les boutiques et 3 seulement pour les statues. Enfin seulement, c'est déjà beaucoup, parce que le reste, c'était histoire de... De faire des tests en free to play depuis day one, les deux me vont. Ouais, ça va bien, et toi, Neil? Ouais, les en free to play, je pense que les deux sont intéressants, mais les boutiques seront accessibles plus facilement, quoi. Après, sur les statues, de toute façon, vous ciblerez les personnages que vous avez le plus, et comme je dis, à mon avis, ce sera Light en premier, Feu en deuxième. Donc, ça viendra aussi avec le temps, mais les boutiques vous permettront d'avoir les personnages pour avoir les statues aussi. Donc, il y a une certaine. Comment dire? Un certain effet de domino, si vous voulez. Ou pour la plupart des gens, peut-être ils attendent plus les boutiques parce qu'ils savent que sinon ils ne pourront pas voir les statuts. Donc je peux comprendre aussi cet agencement. En fait, j'aimerais shop plus 50 amis. Ouais, et j'ai mis aussi pour les amis, pour les petits changements, le 50 amis, ce serait bien qu'il arrive hein, parce que ça leur coûterait pas grand-chose hein, de le mettre dans un patch. Là où je peux concevoir que les nouveautés telles la boutique ou les statuts, ça peut, ils peuvent essayer de gagner du temps pour le calendrier. Quoi. Pareil, fit to play, ça me va. Une complémentarité. Ouais, ça.
C'est une complémentarité avec les deux. Mais c'est plus qu'une complémentarité, c'est l'un est primordial à l'autre. Donc c'est pour ça que j'essayais de parler du fait que ça s'enchaînait bien, quoi. Les statues, je pense que je suis pas prêt. Oui, alors après, il y a plein de gens qui sont pas prêts pour les statues, ça je peux tout à fait le concevoir. Hein. C'est moi je suis prêt, mais parce que j'économise et que... J'économise dans ce que je paye, quoi. Enfin, tu vois, j'ai des économies d'avance parce que je dépense, quoi. Parce que ça, peu de monde a ça, peu de monde a des 180 000 gemmes, enfin, c'est... C'est voilà, c'est faut pas se fier à ma box pour ça, par contre, c'est sûr. Monter les persos difficiles d'Arcane Knight en grande partie, c'est à mon niveau plus impactant. Après les statues, je ne pleurerai pas non plus. Par contre, mage des 50 amis, ça devient urgent. Ouais, mage des 50 amis, c'est tout le monde qui le demande, hein, littéralement. Ça embête tout le monde, à la fois ceux qui veulent prêter et ceux qui veulent emprunter. Ça crée un déséquilibre d'ailleurs, parce que même pour les guildes ou quoi, c'est pas très pratique ce système. Pour les tests, pour les skirs, tout ça. Ça conviendrait aussi à tout le monde et ça serait un peu un minimum 50 en plus, quoi, parce que 30 c'est vraiment trop léger, quoi. Et ouais, le fait de monter les personnages pour les free-to-play ou quel que soit les joueurs, hein, il y a pour plein de types de joueurs, il faut faire des choix, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Shiryu GC. C'est pour ça que je pense que beaucoup de gens vont le laisser de côté, même s'il n'est pas horrible. On va penser qu'il est mauvais parce que personne l'a, alors que non, il n'est pas mauvais, c'est juste qu'il y a d'autres persos qui permettent de faire un peu ce qu'il fait et qui ont déjà été ciblés par ailleurs. Ça changeait quoi les 50 amis? Bah ça changerait qu'on aurait de la place pour prêter des personnages et tout. Et là actuellement je suis à 30 amis et à chaque fois qu'on me demande « Ah, est-ce que tu peux m'ajouter pour me prêter un personnage? Est-ce que tu peux m'ajouter pour faire pour faire des essais sur ta team, pour la guide et tout ?» Bah j'ai pas assez de place et à moi ça me frustre parce que tous mes amis sont actifs et j'ai du mal à en supprimer. Et il y a des fois je le fais à contre-cœur parce que vraiment j'ai besoin d'une place ou quoi que ce soit, quoi. Et 50 c'est déjà un peu plus raisonnable, c'est pas non plus gigantesque, quoi. Moi je suis prêt, duo et platine, lol. Ouais, moi mon duo et platine aussi. Après pour les statues c'est 11 étoiles, hein. Vous n'avez pas besoin de l'avoir non plus maxé, mais il vous faut un duo pour les statues, si vous voulez faire les vents. Donc par contre, mais 11, hein, vous n'avez pas besoin de monter platine, mais de toute façon ils montent naturellement parce que vous prenez des doublons partout comme Misty, comme plein de personnages de ce type. J'économise dans ce que je paye, oui, j'essaie d'optimiser mon cashplay. Et c'est pas le cas de tous les cashplayers, hein. Il y a des cashplayers qui ont un niveau de VIP bien au-dessus du mien, parce que ils payent, quoi, tu vois. Alors que moi je paye, mais j'essaie d'optimiser ma paye, tu vois. Je fais, ah là si je mets tant, je veux que ce soit bien optimisé, je veux qu'il me reste des ressources, je veux pas être frustré d'être au maximum. C'est pour ça que je suis jamais Cosmos Max là, bon même je suis pas loin, tu vois. J'essaie d'ajuster tout ça pour me servir de mes ressources. Bah là est-ce qu'il me faut un peu plus des Araya, est-ce qu'il me faut un peu plus des Constelles, voilà. J'essaie de trouver juste équilibre. Après à mon niveau c'est pas tout à fait la même question que quand on est free to play, hein, je le conçois. Mais j'essaie aussi de me mettre à la place des free-to-play pour essayer d'expliquer et essayer d'aider les gens qui sont en free-to-play pour aller sur tel ou tel perso également. C'est pour ça que d'ailleurs le fait de... Bah, contrairement à d'autres représentants du jeu qui ont des partenariats et tout, moi au moins je suis libre, hein, si je veux dire qu'un personnage est nul, de toute façon je gagnerai autant à dire qu'il est nul qu'il est bon. Donc au moins... au moins ici vous pouvez être sûr que si j'ai envie de dire qu'un personnage est de la merde, je le dirai. Yes, je suis toujours transparent là-dessus, au moins c'est l'avantage, quoi. Donc pour le résultat du sondage, du coup, effectivement, c'est les boutiques qui ont l'air de bien plus intéresser les gens que les statues. Donc si c'est les statues, je serais content pour moi. Si c'est les boutiques, je serais content pour tout le monde. Donc ça, c'est bien. Mais pour les gros joueurs, les statues, ils en ont besoin, car ils ont de moins en moins de choses à faire. C'est ça. Ça fait de l'occupation, et surtout, ça peut changer la méta. Et si tu essaies de jouer au top niveau PVP... GSI, GWI, etc. Il te faut ça parce que ça va créer un gros écart sur les puissances et sur les teams. Donc il faut être prêt aussi quand tu vises ce genre de classement dans un jeu où ben, pour être là il faut son cashplay, d'être prêt aussi pour ça. C'est pour ça que j'ai aussi de l'avance pour les statuts et tout, et que là ben, je suis un peu frustré de ne pas utiliser toutes ces ressources, notamment dans les resets magasins pour le cosmos, enfin, pour la résonance, mais parce que je sais que je vais m'en servir pour autre chose. C'est l'avantage d'avoir la CM, quoi. Ouais, c'est vrai que ça serait cool. Je sais plus quoi que tu réagissais, mais oui. Ah, c'est juste 11 étoiles, c'est large en fait. Oui, pour les statues, c'est 11 étoiles pour pouvoir maxer les statues. Mais il vous faut du coup 6 x 5, 30 personnages, 11 étoiles. Ça fait pas mal de personnages. Tant des personnages que vous avez pas forcément d'utilité gigantesque, mais sur les duos par exemple, normalement vous avez eu plein de doublons, donc vous avez pu le mettre de côté par exemple. Et il faut essayer de les équilibrer, parce que si vous voulez par exemple sur les lumières, il vous faudra tous les lumières niveau 11 étoiles si vous voulez tous les bonus, etc. au fur et à mesure. Et si vous voulez qu'un niveau de la statue, vous n'aurez même pas besoin de 11 étoiles, il devrait être... je sais pas. Je sais pas combien d'ailleurs. Et bienvenue Andy Holler, merci pour le follow, bienvenue à toi, salto.
Je sais pas par contre. Je sais que c'est 11 le max, mais je sais pas si c'est. Ça doit être 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 étoiles. Non. Parce qu'il y a combien? Il y a 5 paliers. Donc 11, 10, 9, 8, 7, ça doit commencer à 7, 7 étoiles pour le premier palier peut-être. Et après c'est palier 1, palier 3 et palier 5 je suppose pour les bonus. Là on verra quand on aura le détail parce que je veux pas dire de bêtises. Là il me faut la version française traduite et tout parce que sinon je vais vous dire des bêtises. Donc pour le détail des statuts, par contre on fera probablement un gigantesque live quand ça arrivera. Histoire que moi je fasse les erreurs et que vous ayez pas besoin de les refaire derrière. Je me casserai les dents dessus et vous aurez tout appris comme ça. C'est calculé. Ouais, c'est calculé, faut calculer pour tout. Et c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui me frustrent dans ce jeu, parce qu'il y a plein de choses que j'aimerais calculer, notamment les, comme on disait tout à l'heure, les pourcentages multiplicatifs ou additifs ou quoi que ce soit. On a dû faire des tests très chelous avec Necro pour arriver à déterminer si on pouvait jouer deux compétences d'une même carte Aria d'un niveau différent. Enfin bref, on doit faire des tests sur Grand Pop pour voir ce qui est le plus efficace parce qu'on n'a pas de Punching Ball. Ou Épouvantail, ça dépend des jeux. C'est frustrant. J'aimerais encore calculer plus sur ce jeu. Dis-toi qu'à un moment, je calculais la méta et tout. Bon, là, elle est stable, mais. Vers les stats que j'étais capable de faire sur le jeu pour comprendre les trucs quoi. Mais ce que j'aime bien moi dans ce genre de jeu. Platine, ça permet d'avoir le bonus max. Le bonus max, c'est 11 étoiles. Vous n'avez pas besoin d'avoir platine, mais vous avez besoin de les avoir 11 étoiles pour pouvoir avoir le bonus max. Mais vous n'avez pas besoin de l'avoir platine. 11 étoiles, ça suffit. C'est 11 étoiles pour le dernier rang. Sauf s'ils rajoutent des rangs par la suite, mais pour l'instant, ils ont rajouté des statuts sur la CN. Il faut le savoir, mais pas des rangs supplémentaires aux couleurs. Ils ont rajouté des statuts par type soutien, guerrier, tout ça quoi. Assez récemment. Bepi, c'est vraiment le truc qui ne coûte rien de monter le nombre d'amis. Ouais, le nombre d'amis, je comprends pas. En plus, c'est sur la CN, c'est 50, ça leur coûte rien. C'est juste qu'il faut qu'ils soient présents dans le patch. Je sais pas dans quel patch ils l'ont eu à la CN, mais ça arrivera peut-être dans un patch où c'est pas annoncé, parce que ça arrivera en même temps qu'un patch qu'ils ont passé pour la version globale. Quoi. On aurait pu l'avoir, les 50 amis. On a eu la GWI et tout, là. On aurait pu avoir les 50 amis, parce qu'on a eu plein de trucs qui étaient trop en avance, là, les trucs des Araya et tout. C'est souvent de se faire tuer pour quelque chose qui juste améliorer le jeu. Ouais ça, pour des trucs qui sont juste pour te faciliter la vie sur une application ou sur un jeu ou quoi que ce soit, généralement ils ont pas de mal à livrer ça parce que ça c'est vraiment... c'est une donnée, c'est un chiffre dans le code, enfin c'est et en termes de serveur, c'est pas ça qui leur coûte des ressources. Bonne idée le live. Oui, de toute façon il y aura forcément un live sur les statuts, hein, c'est, vous inquiétez pas, c'est sûr. Où je vais appréhender le système. Je vais faire plein d'erreurs, mais au moins après, je pourrais vous dire, faites pas ça, faites pas ça. Comme je vais bégayer quand les statues seront là pour mes darks. Oui, c'est ça, après il y a des statues, vous pourrez pas les monter, hein, de toute façon, si vous avez pas les personnages. Mais moi, ce sera facile pour eux. Mais moi, je suis encore plein d'erreurs. Hein. Moi, une des dernières erreurs que je faisais, alors ça fait un moment que j'ai arrêté, mais sur l'event de la chasse au trésor, j'avais pas compris qu'on pouvait prendre les trois récompenses, mais du coup, je prenais que la première qui popait au hasard. Après, quand j'ai compris qu'on pouvait prendre les 3, t'inquiète que je faisais tous les paliers de 10 à fond. Hein. Mais ça, j'ai fait l'erreur plein de fois, quoi. Et des fois, encore, ça m'arrive de cliquer trop vite, d'ailleurs. Mais bon, maintenant, je fais plus l'erreur depuis un petit moment, mais des fois, ça m'arrive de cliquer trop vite par réflexe, quoi. Donc, moi aussi, même mon niveau où je commence à prendre des connaissances, il y a plein de choses que je connais pas, il y a plein de choses qu'on m'apprend à chaque fois. Hein. J'apprends aussi un maximum. Et ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'il y a tellement de choses à faire. Pour l'instant, même s'il faudrait qu'ils en ressortent. Il y a toujours des choses à apprendre, mais c'est bien qu'on ait. Ce serait bien qu'ils nous sortent un peu des choses, quoi. Comme, voilà, j'ai galéré sur la D900, j'ai galéré sur le château d'Hadès, j'ai galéré sur la Légion du Vide. J'arrive à trouver quand même des défis. Même avec Roblox. Comme je vais. Oui, c'est pas vrai. Natif, palier 1, platine, dernier palier. J'ai revu les vidéos de Serein et Eldiril. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris, on verra bien. Alors, si c'est ce qu'ils ont dit, ils sont trompés, du coup. Mais je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas vu leurs vidéos sur les statues. Mais s'ils ont dit platine, ils se sont trompés. C'est sûr, c'est 11 étoiles par contre. C'est sûr. Pour les statues, il me semble que c'est 5, 6, 8, 11. C'est possible. 5, 6, 8, 11, ça me paraît cohérent. Mais j'ai pas le détail en tête des paliers. Mais ça doit être 5 le premier, 11 le dernier, et entre temps, ça doit être 6 et 8, ça paraît bien, 6 et 8, ouais. 5, 6, 8, 11, ça me paraît bien, ouais. Game Linux. Sachant que pour les food, c'est 5, 6, 6, 8. 5, 6, 6, 8. C'est ça, je crois. Je crois que c'est ça. Pour la foot, je crois que c'est 5, 6, 6, 8, l'ordre. Et pour les représentants des statuts, c'est 5, 6, 8, 11, ça me paraît bien, ouais. Mais comme je vous dis, ça, on verra quand on les aura et qu'on regardera nos directs, hein, parce qu'on sait jamais, ils peuvent nous faire des trucs bizarres, quoi. Oui, c'est ça, 8 max pour les foot. Oh, ouais. C'est 8 max pour les food, c'est 5 pour la première, et je crois que les paliers intermédiaires, c'est 6, 6. Et parce que...
Parce que ça se fusionne comme ça, quoi, globalement, quoi. C'est pour ça que j'ai plein de 3, mais qu'il faudra que je les fasse. J'ai plein de 1 et pas assez de 5. Franchement. Et toutes les couleurs? Oui, c'est ça. C'est pour les feux, c'est feu. Pour les eaux, c'est eau. Pour les vents, c'est vent. Pour les terres, c'est terre. Et pour les light and dark, c'est n'importe lequel. Alors, n'importe lequel pour la food. Par contre, il faut les personnages quand même des statues pour les statues. Mais vous les faites pas manger. Il faut juste les avoir. C'est le but du personnage platine. Genre, si vous avez Athéna platine, faut pas la donner à manger à la statue. C'est juste, vous pourrez maxer la statue. Et du coup, vous pourrez maxer, et heureusement d'ailleurs que vous pourrez maxer les statues d'Arcane Knight avec n'importe quel type de food. On a fait le test aussi, vous pouvez food avec des 3 étoiles, qui seraient montées 5. On a fait le test aussi, c'était avec Necro aussi ça. On a fait le test de vérifier qu'un Shiryu black ou je ne sais quoi, si vous le montez 5, vous pouvez le feed aux statues. Ça fonctionne aussi. Donc ça c'est assez intéressant à savoir que vous pouvez feed de toutes les bases. On aurait pu se dire, est-ce qu'il faut un 5 étoiles natif? Non, il faut un personnage qui puisse monter, enfin qui soit monté 5, 6, 8. Ça aussi, ça on le sait parce qu'on l'a testé. Après, pour le détail des paliers, etc. et tout, on vérifiera quand ça arrivera, sachant que ça arrivera... Bah, ça peut arriver mardi, comme ça peut arriver dans 6 mois. Donc, donc ça, on verra. Mais après, vu que la demande que vous faites, ça a l'air d'être plus autour des boutiques, c'est peut-être du coup les boutiques qui vont arriver demain et pas les statues. Parce que ça avait l'air d'être quelque chose qui était très demandé, et vu que souvent, on a l'impression que quand ils font des retours, des demandes un peu spécifiques, c'est plutôt des retours qui passent par le Facebook et autres, et pas forcément par le Discord. On sait que c'est une population un peu plus large que ceux qui ont accès au Discord, et notamment le changement d'heure sur le mode des reliques ou des choses comme ça, on sait que c'est passé par là, parce que sur Discord c'est jamais sorti. Donc ça sera plus probablement des gens qui auront demandé les boutiques que les statues, parce que les statues, ils les connaissent pas, quoi, globalement. Quand tu t'intéresses pas au jeu en détail, à la version CN notamment, je pense que les statues, t'en as aucune idée. Manque que des persos pour les boutiques. Oui, parce que ce qui va intéresser les gens dans les boutiques, effectivement, c'est que soient représentés dans ces boutiques, dans toutes ces boutiques, les Dark and Light, les Hypnos, tout ce qui est censé arriver, les SDK, etc. quoi. Alors toutes les boutiques sont pas impactées, mais il y a quand même une partie. LOL, oui, encore 6 mois depuis le temps que ça a été teasé. Oui, mais ça c'était. Alors, il y a eu beaucoup d'erreurs hein, sur le Facebook, mais c'est vrai que celle-là était quand même assez osée. C'est-à-dire quand ils ont sorti le Shiryu Balance, derrière le Shiryu Balance, il y avait les statues. Donc peut-être c'était car il y avait le Shiryu GC. Et du coup le Shiryu GC il est là cette semaine et il y aura les statues. Sauf qu'en fait ce sera du Shiryu Pog, du coup ce sera encore pas les statues. Ah, j'aime bien, c'est rigolo quand on sait pas comme ça et qu'on fait des théories et tout. Ouais, là c'était vraiment le summum. Encore quand il se trouve des illustrations, je me dis bon, il y a une communication qui est mal passée. Bon là au moins c'était un Shiryu déjà, alors que l'autre fois c'était un. Au lieu du Seiya, c'était un Shiryu Pog, enfin, ça avait encore moins de sens, mais... Oh, c'est le 19-12, ouais, ça c'était fort quand même. Ah ouais, ça c'était fort, c'était pour Noël, ouais, c'était ouais, donc, le 19, ça me paraît cohérent, effectivement. Ça c'était fort quand même, quoi. c'était vraiment le summum, mais ils sont arrivés encore à nous surprendre après, hein, malgré le fait que c'était déjà très très fort, quoi. Ah, vaut mieux en rire. Ah bah oui, bah, de toute façon, c'est un jeu, on s'amuse, on sait que ça arrivera... Il n'y a pas mort d'homme, je veux dire, il n'y a pas de mal, c'est pas grave, c'est rigolo. Non, parce que si on s'attriste de ça, autant arrêter le jeu, parce que vous allez être frustré par beaucoup de choses. Parce que ça c'est ça va, quoi. C'est pas le pire. Et vaut mieux juste savoir que sur le Facebook, c'est de la pub, et que c'est pas très maîtrisé, que c'est un peu push par défaut, pour dire, voici, il y a ça, il y a ci, il y a ça. C'est traduit, on a vu comment c'était traduit, hein. Je rappelle qu'aujourd'hui, le titre du live, c'est en fonction de ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire qu'ils ont écrit une phrase, alors il est qui? Ça n'existe pas en français, c'est juste du autotrad de Google, voilà, c'est push comme ça rapidement, donc il y a des scories, on en rigole, et on dit, ah c'est le stagiaire, et puis on passe à autre chose. C'est des clowns. Non, c'est le stagiaire, on dit ici. Bon, sauf que le stagiaire, il revient un peu trop souvent en ce moment, à mon goût. Il pourrait se calmer un petit peu, là, parce qu'il faut pas déconner. C'est comme j'expliquais, certains disaient ils sont en vacances, machin, non, ils sont pas en vacances. C'est le développeur, il est chinois, les vacances c'est une semaine en février, juillet, août, t'inquiète qu'ils bossent comme des fous, c'est pour ça qu'ils sortent tous les jeux là, mi-juillet, là, tous les nouveaux gacha, machin et compagnie, hein, t'inquiète qu'ils sont au taquet. Bosse beaucoup le stagiaire, oui après il y a peut-être pas assez de stagiaires aussi, c'est peut-être un stagiaire pour tout et le pauvre il est sous l'eau, oui ça c'est possible, ça j'en sais rien. Les conditions du stagiaire, je les ai pas en détail, ça doit pas être très simple. Et je conçois que. Soit pas non plus facile de communiquer avec une population qui a autant de langues. Quand t'es habitué à discuter avec
bah, sur la version chinoise avec des Chinois, avec des outils de communication qui sont exclusifs. Ils doivent utiliser, c'est quoi c'est? Non, Line c'est au Japon. En Chine c'est... Je sais plus, mais l'équivalent de Discord pour les Chinois. Parce que je crois que Line c'est en Japon et il y a un autre nom pour les Chinois, ça me reviendra pas, mais tant pis. Donc ils sont habitués à avoir ces outils, ces moyens de communication directs dans leur langue, c'est moins intuitif. Bibli ou quelque chose dans le genre? Non, c'est pas Bibli, ça me revient plus parce que là j'ai le nom de Line, de Line en tête, mais Line c'est la version japonaise là, qu'on voit dans tous les animes, je crois. Ou c'est Line en Chine et c'est autre chose en Japon? Je sais plus. Bref, un Discord de leur Discord. De... Ah, non, VChat. Je sais pas si c'est VChat, mais c'est un nom comme ça. Ça me revient. Je crois que c'est VChat ou un truc comme ça. Enfin, bref. Ou VChan. Truc de genre, quoi. Bref, peu importe, c'est pas très grave le nom. Et donc, ils ont l'habitude de ces outils. Ils sont moins habitués à du Facebook, du Discord, des choses comme ça, où ils font passer des gens qui, du coup, sont eux bénévoles, qui, du coup, eux prennent la merde un peu sur la tête des fois pour rien, parce que eux, ils sont vraiment pour rien. Ils se prennent un peu les hordes de gens énervés. En sorte que c'est eux le bouclier d'Athéna, tu vois, pour les développeurs, alors qu'ils sont littéralement pour rien, quoi. Mais bon, on a cet outil pour communiquer avec eux, on aimerait que ce soit dans les deux sens, donc des fois on s'en prend à la personne qui est là, c'est un peu gratuit, c'est un peu dommage, mais bon, des fois on réfléchit pas. Une nouvelle PLS, post-lamentable du stagiaire. Ah, c'est pas mal, post-lamentable du stagiaire, j'aime beaucoup. PLS, ah, je retiens. On attendra le prochain PLS, post-lamentable du stagiaire. C'est pas mal. Je sais pas s'il nous met en PLS, mais en tout cas il nous met bien leur mal œil, hein, des fois ça fait ça pique, hein, ce qui se passe, quoi. Alors que vous voyez le problème d'avoir 50 places, je suis obligé de refuser plein de gens alors qu'ils sont sûrement très sympathiques, mais là j'ai qu'une place et j'essaie de la garder, ce qui est compliqué. Et sinon on continuera la discussion sur le patch note demain quand on l'aura, parce que là c'est vrai, c'est un peu, mais je suis content là d'avoir fait le sondage là, parce que je vois effectivement que ce qui vous intéresse le plus c'est les boutiques, donc j'espère finalement que ce sera les boutiques pour que plus de monde soit satisfait, parce que les statuts ça sera effectivement moins accessible. Si on peut avoir les deux, les 50 amis, on sait jamais, ça pourrait être la mise à jour de l'année, la mise à jour, le moment. Et là on a 50 places amis, les statuts, ils corrigent les bugs, ils mettent les boutiques, et là on fait mais what the fuck, des nouvelles cartes Araya, parce que j'attends aussi beaucoup la carte Araya Athéna, si elle peut arriver. C'est pareil, hein. Je suis prêt pour les ressources pour les cartes Athéna. J'ai actuellement 3 box, 3 coffres Aria, plus 861 trucs là-dedans. Hein. Donc ça aussi, si ça arrive demain, très cool la carte Athéna. Je suis prêt. Donc ça, je veux bien aussi. Mais bon, après, je pense qu'il faut pas être trop exigeant, faut pas trop en attendre d'un coup non plus. C'est Noël, ouais, c'est au-delà de Noël là. Bon, en même temps, c'était la match de Noël. À Noël, ils nous ont promis les statues. Finalement, 5 jours après, le Père Noël, il est pas passé, quoi. Donc, bon. Si le Père Noël, il passe le 8 ou le 9 août, ça me va aussi, c'est pas grave. Hein. Après, il va me falloir du contenu, là. En plus, je suis bientôt en vacances. Alors, je sais pas si je jouerai plus en vacances que quand je travaille, hein, puisque finalement, j'aurai d'autres occupations que le travail la journée, mais je jouerai probablement pas la journée quand même à Senseiya, mais bon. Donc, bon. Je profiterai aussi pour me reposer là, parce que fou, les journées de travail plus Senseiya, wow. C'est mieux quand on a de l'occupation, mais les lives de 7h sur le château d'Hadès, j'ai mis un moment à m'en remettre, hein, vache. Donc de la nouveauté, mais de la nouveauté où je me couche pas à 3h du matin pour me lever à 5, hein, s'il vous plaît, ça serait cool. Ah, sinon on fera plus de lives. On fera plus de lives quand même, parce que ça sera intéressant quand même, j'aime bien le fait d'échanger. Donc plus il y a de contenu, plus c'est sympathique. Mais bon, il y a des fois faut dormir aussi. Chut, parle pas du château. On va tous partir en stress post-traumatique. Oh, surtout que la fin du château d'Hadès est vraiment très frustrante. Je crois que j'étais plus frustré par les 3 derniers jours que par les 6 mois d'attente au final. Donc, mon petit cœur souffre. Je pense que c'est le cœur d'Anelia qui doit souffrir le plus d'ailleurs. Parce que c'est quand même lui qui a pris le plus cher à cause de cette satanée limitation des 3 derniers jours là, qui, bref, qui n'avait aucun sens. Qui était là juste pour pas qu'on descende trop en dessous des 30%. Mais bon. Au moins, normalement, vu qu'on a d'autres modes maintenant, illusion, relique, château, normalement ça devrait s'alterner. Donc on devrait avoir moins de temps où on n'a pas de mode, et on devrait avoir des modes qui reviennent du coup en boucle les uns derrière les autres. Donc ça c'est bien aussi. Enfin, c'est bien si ça se passe comme ça. Ça, j'ai pas non plus, on sait pas ce qu'ils vont faire. Mais si on alterne un peu relique, illusion, château, toutes les 3 semaines ou un truc comme ça, avec des cycles du coup de 1 mois et demi, 2 mois, ce serait si cool. Il était très très dur les 3 derniers jours.
Oui, bah il était impossible pour 99% des gens, donc ouais, il était dur, effectivement. C'est moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que tous ceux qui s'étaient investis avec leur box et tout toute la semaine, les trois derniers jours, on leur dit « Ah, stop, faut payer !» Bah non, non, sinon c'est pas comme ça que ça fonctionne, un idol. Quand t'as un mode communautaire, tu fais jouer tout le monde, tu dis pas « Ah, toi tu joues pas !» C'est que tu fasses payer les gens pour jouer à très haut niveau en GSI, en GW ou quoi que ce soit, je peux comprendre. Quand t'as un mode communautaire participatif où tout le monde doit contribuer, tu mets pas un truc où t'as personne qui a les personnages pour le faire, ça n'existe pas. Sur l'illusion du vide, oui. Sur Château d'Hadès, non. Parce que sur l'illusion du vide, c'est une compétition, c'est les premiers. Sur Château d'Hadès, certes, il y a un petit classement, mais c'est pas ça qui est important, c'est le fait d'arriver au X%. Donc c'est collaboratif, donc tu fais pas ça. Faut payer Radamante. Ouais, c'était Radamante, c'est ça le pire. C'est vraiment le summum. Alors vous pouvez prendre CIAGC là qui est dans le portail, et puis avec toutes vos ressources là, ou la roue là, vous allez chercher Radamante. Oui bien sûr, c'est ça. C'est déjà assez compliqué comme ça d'avoir les ressources pour avoir un personnage sur 8. Illusion du vide, plus jamais je le try. Ah si, c'est intéressant à try. Si tu veux chercher les top 1000, les top 300, c'est intéressant comme événement. Mais c'est pas un événement ultra free-to-play friendly. Il y a quand même des saisons où c'était ok. Les saisons où il y a Seiya Sagi par exemple, et où il n'y a pas Pandore, je pense que vous pouvez tryhard, même si c'est plus dur parce qu'il faut opter les scores, vous pourrez faire des très très gros scores. Parce que je pense que Seiya Sagi, c'est un personnage que beaucoup de gens ont, et on sait qu'il va revenir, puisqu'on a vu sur la CN, sur le dernier event, c'était un event Seiya Sagi. Globalement, pour ceux qui connaissent pas Illusion du Vide, parce que c'est vrai que je parle peut-être un peu de trucs qui parlent pas à tout le monde, Illusion du Vide, c'est un mode où il faut passer des temples, on va dire, pour simplifier, le plus vite possible, avec des teams limitées, avec certaines caractéristiques. Et souvent, il y a un ou deux personnages qui vont être absolument indispensables. Quand c'est Pandore, qui est un personnage dark, c'est compliqué à réaliser. Quand c'est Seiya Sagi, le personnage feu que beaucoup de gens vont avoir eu, c'est plus simple et plus accessible pour tout le monde. Après, c'est plus compétitif parce qu'il faut faire des temps encore plus bas. Mais on sait que certaines saisons peuvent être ouvertes à plus de monde. Et chez nous, notamment, je parlais d'Anelia pour les châteaux, qui est aussi, avec Nero, avec Hagen, avec plein de personnages de la guilde, qui sont plus PVE. Ils se débrouillent très très bien sur ce genre de mode, avec des box plus réduites. Et pour certains, vraiment destiné à ne faire que ces modes-là. Donc c'est accessible, entre guillemets, mais il y a des saisons qui sont plus dures, quand même. Le dernier m'a coûté 3000 diamants pour être top 3000 avec Pandore Flame maintenant. 3000 diamants pour faire quoi? Tu payes rien dans le Légion du Vide? Qu'est-ce que ça payait avec 3000 diamants? Bah, Légion du Vide, il y a pas, y a juste un nombre de trails limité, mais... Qu'est-ce que t'as pris avec 3000 diamants? Ah, reset terrain! Ah oui, 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 oui. Ah, alors oui, par contre, là, oui. Et si vous allez jusqu'à l'optimisation du reset terrain, ça peut vous coûter cher. Parce que, alors moi je fais ça, mais c'est parce que j'ai beaucoup de diamants. Mais sinon ne faites pas ça. Mais oui, si tu veux optimiser pour Pandore et que tu maxes le... Après 3000 ça me paraît beaucoup. Parce que genre tu fais 1 ou 2 resets, t'en fais pas 5. Parce que moi souvent ce que je fais c'est que genre je reset genre par exemple les compétences. Et je vais mettre les points des compétences en assassin si c'est les assassins qui passent. Et après juste je reset assassin et je remets en compétences. Comme ça, ça fait que 1000. Après, si tu l'as fait plusieurs fois dans la semaine, ouais, c'est ballot, quoi, parce que ça fait vite cher, quoi. Faut le faire une fois, et après, faut faire la semaine avec le terrain d'entraînement des journées vides, quoi. Sinon, ça peut aller vite, quoi. Et moi, ça peut m'arriver que le Légion du Vide me coûte plusieurs milliers de diamants, parce que je reset aussi pour faire les épreuves des chevaliers et tout, pour optimiser, quoi. Ça dépend ce que je fais la semaine, mais... Et j'aime pas aussi avoir un terrain d'entraînement qui est pas opti pour ma team GS. Mais ça c'est pas... Tout le monde a pas besoin de faire ça quoi. Je reset 3 terrains puis 2 terrains, 2500, oui pas trop. Ouais, enfin déjà 2500 c'est déjà pas mal, mais 3 plus 2 ouais c'est déjà beaucoup. Salut Redonite. Comment ça va? Bah ça va bien, et on attend un peu les nouvelles du patch pour savoir quelle sauce on va être mangé. J'espère que tu vas bien aussi. Et donc là on discutait un peu des envies de chacun, on a parlé de Shiryu GC tout à l'heure. Et là, on en a conclu que ce qui intéressait un peu plus les gens pour demain, ce serait plutôt les boutiques, plutôt que les statues, des choses comme ça, qui sont effectivement réservées à un peu moins de personnes. Là où les boutiques, c'est attendu par plus de monde, notamment pour avoir les ressources et les personnages qui permettront ensuite d'aller vers les statues et autres. C'est vrai que je comprends la logique derrière ça. Et si c'est ça là, demain, du coup, je pense qu'on pourra être satisfait. Mais faudra quand même un petit peu de contenu, parce que les boutiques, c'est pas du contenu, c'est juste... accéder à des personnages, mais ça ne fera pas de nouveaux modes, et là pour l'instant il n'y a rien du tout hein, à faire. Demain c'est sur GC ou POG? Oui, alors c'était tout le but du début du stream, effectivement. On s'est dit, mais je peux repasser sur la scène. Je vais réafficher. Alors on se demandait effectivement tout à l'heure. Tac.
vu que sur cette image, c'est clairement un chariot armure de bronze, alors doré ou non, pour être un POG, c'est en tout cas pas chariot GC, c'est exactement la même pose que le POG dans le jeu. Par contre, c'est un événement chevalier up. Donc je pense que c'est l'event chariot GC, c'est juste que le stagiaire est... Rebou a mis la mauvaise illustration, je pense. On le saura demain, mais... Parce que si c'est le POG et qu'il n'y a pas de personnage portail, putain, on n'est pas prêt d'avoir du contenu sur le jeu, quoi. On peut même pas se taper dessus dans le PVP. Ouais, ouais, il n'y a même pas le PVP, il n'y a rien. Alors que d'habitude, normalement, il y a ou arène mondiale, ou je sais pas comment s'appelle le PVP où tu mets qu'une team. T'as plein de trucs comme ça, et ça, il n'y a même pas ça, quoi. Oui, c'est pas non plus du contenu, ça sent le vide à... Ouais, c'est ça, s'il n'y a que ça, s'il n'y a que les boutiques... Et le personnage, que soit l'un ou l'autre des chariots, ça veut dire qu'il y aura toujours pas de mode et toujours pas de contenu. Donc, faut espérer qu'il y ait autre chose, quoi. Après, ce qu'ils peuvent mettre, c'est tout con, hein, mais il y aurait au moins ça, c'est déjà ouvrir un mode, l'arène mondiale, le PVP de compétences, l'autre mode où on met une team et après on joue plus, même si c'est nul, bon, au moins il y aurait quelque chose, quoi. Après, ce qu'ils peuvent mettre, sinon c'est ça, là. On a toujours pas les nouveaux niveaux ici. Et ça, on sait qu'il y en a d'autres. Alors ça, on sait qu'il y en aura, mais dans très longtemps, parce qu'il y a des nouveaux artefacts pro qui sont arrivés sur la scène, mais bon, ça c'est dans 1000 ans. Mais là, par contre, sur la scène, ça fait un petit moment qu'il y avait le 2, 3, 4. C'est pas grand-chose, mais bon, au moins, ça évite de dire que la magie est vide, quoi. Parce que la magie de l'autre fois, c'était quand même... alors, magie du jour, Tétis. Fin de la magie. Ça pourra pas être pire. Il y aura au moins un perso, même si on ne sait pas quel Shiryu c'est. Ouais, c'est un peu vide cette semaine, j'espère Shiryu GC pour pouvoir écho. Ouais, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est si à Shiryu GC, les gens vont aller finir Seiya ou stacker les tickets, enfin les pétales pour les prochains pools, si c'est Shiryu GC. Parce qu'il y aura Shiryu, Seiya, et puis peut-être que les deux d'ailleurs, parce que sinon je sais pas s'il y aura que Hypnos ou que Thanatos. À quelle heure c'était ? Que Thanatos ? Ce sera un peu bizarre, Thanatos, Seiya et Shiryu, donc ce sera peut-être Seiya, Shiryu, puis Athéna, ou je ne sais quoi, enfin, je sais pas avec quoi ils compléteront. Mais ça permettra soit aux gens de compléter les personnages qui sont focus, soit de commencer à stacker les pétales pour tout ce qui va suivre derrière. Ce serait pas si mal, même si j'aurais bien aimé un petit personnage bouclier, histoire de tempo un petit peu, parce que là on enchaîne beaucoup de Dark Knight quand même. Mais on verra, et surtout un peu de contenu, un peu de nouveauté. Comme on a dit, si on a les boutiques, un petit mod, un personnage, ça sera déjà de quoi faire la semaine, sachant que vu qu'il n'y a pas de GS, ni GSI, ni rien, c'est vraiment une semaine où ils auraient dû mettre au moins une petite chose, parce que là ça fait quand même depuis... Ça va faire au moins 3 jours, puisque demain il y aura toujours rien, vu que la match sera mercredi, et mercredi c'est même pas sûr. Ça fera 3-4 jours où il y a vraiment que les cotillas à faire et que ça va assez vite. Surtout que demain il y aura même pas de temple. L'épreuve des chevaliers, je l'ai tryhard la semaine dernière. Donc là maintenant je mets juste la team de base, je fais 14 milliards et je m'endors quoi, globalement. Il n'y a pas Capella, donc je pense que je me forcerai pas à faire des scores. Je ne serai pas mieux que la semaine dernière, que tant qu'il n'y a pas Capella pour faire un peu des tests. Je pense que je sais plus. Ah, pardon. Excusez-moi. Je pense que je travaillerai même pas les épreuves, parce que sans nouveau personnage derrière, ça n'a pas trop d'intérêt. Là, il y avait CIA, GC, c'était intéressant de faire des tests, mais. Sachant que le stick s'approche. Ah non, pas le stick. Non. Ah, le stick, c'est bien pour les récompenses, pour les free-to-play. Mais qu'est-ce que c'est inintéressant? Ou alors, je vous stream une heure de sticks tous les jours. Je tryhard le stick une heure tous les jours en live. J'essaie de faire 212. Spoiler, au bout de 2 minutes, on fait autre chose. c'est impossible que je me motive à faire ne serait-ce que 20, déjà 20 minutes. Déjà, je sais même pas si j'ai déjà tryhard 20 minutes le stick, sinon ça m'insupporte. Non, pitié, pas de tryhard. Ah ouais, tryhard sticks. Ah ouais, on fait ça. Comme le tryhard AD et tout, on fait un tryhard sticks. Le principe, c'est optimiser. Tous les déplacements et tout, je mets des touches sur le clavier, sur l'écran, avec l'émulateur et tout, pour voir à quelle vitesse. Je calcule le temps de passage, il faut mettre plus à droite, plus à gauche. Je fais 10 000 tries pour savoir s'il faut faire quand il y a les 3 qui tombent au début ou après. Ah, vous inquiétez pas, hein. Je supporte pas le mode, mais si vous me dites que vous voulez le tryhard, je tryhard pendant 8 jours. Bizarrement, j'aurais pissé. Le live à 2 viewers. Des gens perdus qui comprennent pas pourquoi on est en train de faire ça pendant 3 heures. Ouais. Ah, déjà que le jeu est pas intéressant, qu'il n'y a pas de magie ni rien, pas de mode, mais alors, une sorte de sticks, what the fuck. Putain, j'espère que personne fait ça, quoi. Enfin, j'ai jamais vu personne faire ça, mais. Après, chez soi, peut-être. Mais en live, en tout cas, j'ai vu personne faire ça, quoi. Je sais même pas s'il y a des tutos sur le sticks.
Bon, je pense pas, parce que globalement, tu fais des trails jusqu'à avoir 200 plus. Quoi. Je sais pas s'il y a besoin. Je sais pas s'il y a besoin. Si tu peux optimiser, quand est-ce que tu arrêtes tes trails? À la limite, quoi. Je pense pas qu'il y ait tuto pour ça, quand même. Ah oui, j'avais oublié, mes beaux-parents viennent manger ce soir-là, pas de bol. Pas de chance. Ah ouais. Ah, c'est bien la seule fois que t'auras envie de voir ta belle-mère, ça, quelqu'un qui fasse un live sur le Styx. Un petit portail bouclier avec un pharaon pour pouvoir invoquer avec mes échos. Ouais, ça aurait été bien d'avoir un bouclier. Alors, comme je disais tout à l'heure, pharaon, charon, Rémi, je sais pas lequel va arriver en premier. Mais ça m'aurait été. J'aurais aimé quoi. J'aurais dit ça, c'est bien, ça me va bien. On attend un peu pour les pétales. On peut quand même pull un petit peu. On a pas mal de ressources. J'aime bien les portails boucliers pour ça. Ça laisse les gens un peu tranquilles pour la période après l'anniversaire. Bon, là, on rechaîne directement sur un light. Entre guillemets, j'allais dire heureusement que c'est Shiryu. Parce que ça aurait été Shun ou je ne sais quoi. Alors là, c'est des gens qui auraient pété des plombs. Là, entre guillemets, c'est un personnage qui est très fort mais qui est skippable. Ça sera pas trop frustrant quoi. Parce que skip Seiya ou avoir pris Seiya et skip les suivants pour ça, ça aurait pu être compliqué pour beaucoup de monde. T'aimes bien les portails boucliers, mais les portails boucliers t'aimes pas beaucoup. En fait, les portails boucliers, ils sont nuls. Ils donnent pas le personnage, mais moi je les farm pour les ressources. C'est pour ça que j'ai jamais les persos, parce que je vais jamais chercher les doublons. Je cherchais que les ressources à Raya, Concel, machin. Donc moi, ils me vont très bien les portails boucliers. C'est juste que du coup, les personnages qui sont sur les boucliers, bah j'ai du mal à les finir quoi. Parce que je vais pas les chercher dans les boucliers. C'est pour ça que je vais les chercher des fois dans les roues stellaires. Parce que eux ils me manquent par rapport aux darks que je vais chercher sur les pétales. Oui c'est un peu bizarre mais c'est parce que j'ai un comportement, j'ai un profil de joueur très spécifique sur ce jeu quoi. C'est pas votre cas, la plupart des gens c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Qui c'est qu'on attaque avec quoi? J'ai pas d'Araya ni rien. On essaie de faire 10 milliards avec une team qui a pas d'Araya. Ouais tiens on va voir. En auto x4, sans les Araya et sans les artefacts ni rien, est-ce que ça fait quand même 10 milliards? C'est histoire de présenter quelque chose à l'écran, parce que là on discute depuis un moment, mais le gameplay est zéro quoi. Full auto YOLO, ouais. Easy? Bah, je sais pas, il n'y a pas d'Araya, il n'y a pas les. Enfin, il y a des Araya à la con quoi. Il n'y a pas d'artefacts ni rien, je sais pas si ça fait 10 milliards en auto x4. Hein. En sachant qu'on fait, quand même 40 secondes de base avec la team Opti. Donc peut-être qu'une minute 30 en non-Opti ça suffit, je sais pas. Réponse oui, on est à 30 secondes, on est déjà à la moitié. En fait, c'est large, c'est très très large. En fait, l'optimisation artefact et Araya, c'est pas tant que ça, quoi, au final. Sachant que non, avec ce IAGC, vous pouvez faire 10 milliards avec 400 de résonance, hein, à mon avis. Bah, d'ailleurs, on l'a vu avec Necro hier. Il a combien de résonance? 430 ou 4, je sais plus à combien il est exactement. Mais il a fait des 10 milliards easy. Bah voilà. En auto, en. Bon, c'est pas beaucoup plus long au final, puis c'est 49 secondes. Je mets 40 secondes en optimisant pour le speedrun et 49 en YOLO. Par contre, je fais peut-être pas 15 milliards là. C'est surfait les Araya. Ouais, les Araya, les artefacts, ça sert à rien en fait. Bon, ça sert à rien sur ce mode, quoi, c'est tout. Quoi. Ah, je fais 13 milliards du coup. C'est pas mal. 13 milliards pour 10 milliards maximum. Bon, je suis monté à 15 la dernière fois. Attends, est-ce qu'on peut faire. Ça. Oh, ah vraiment, je suis au bout de ma vie, je teste n'importe quoi. Ah, tout pour le contenu, hein, tout pour vous divertir. Hein. Enlevez vos Araya de PVP s'il vous plaît, c'est nul. Ouais, c'est ça, faut que j'enlève mes Araya pour le PVP. Ça n'arrivera jamais par contre. Parce qu'enlever les Araya pour le PVP. Wow. Attends, on a une saison, faut qu'on fasse un perfect cette saison, faut qu'on fasse que des 60-0. Ah, t'inquiète que mes Araya ils vont être maximisés comme ils peuvent. Hein. Si on veut se qualifier pour la GSI, il faut qu'on fasse un meilleur goal average que les Phaistos. T'inquiète que les défenses, à 10h tous les jours, je vais mettre un everyone dans le Discord. Allez me vérifier le moindre Araya que vous avez. Alors là, t'inquiète que mes Araya, s'ils peuvent être 60, ils seront 60. Si les statues y sortent, les statues, elles seront maxées day one pour ma team. Droit à l'erreur. Ah, ça passera peut-être pas encore, mais bon, ça peut passer cette fois-ci, donc on va essayer de donner notre maximum. On a tout fait pour être deuxième cette saison, pour pouvoir jouer une qualif, donc là t'inquiète que maintenant qu'on a la qualif possible, on va essayer de tout faire pour que ça arrive. Après c'est pas du 0%, mais c'est pas non plus du. Ouais, je dirais que c'est du 50-50 à mon avis avec FM. Pff, non mais regardez, le grand pop c'est une chip. Regardez-moi ça, il reste 20 secondes. Pff, regardez-moi, c'est trop facile. Qui c'est qui fait pas encore 10 milliards sur ce grand pop, franchement? À 4 persos. 4 persos ça suffit à faire 10 milliards, pourquoi vous embêtez? Mais franchement, qu'est-ce que vous faites?
Oh, vous êtes pas encore à 10 milliards. Alors, spoiler, ça passe pas. ça c'est Flex Opal qui flex trop. C'est over Flex Opal, là c'est pas bon. Je rappelle que je suis en full auto, sans Araya, sans artefact, sans rien. C'est vraiment... À la limite, en optimisant un peu les Araya et les artefacts, peut-être, mais là, à 3, non. Là, c'est vraiment trop de difficultés, quoi. Il va faire plus que moi, mec, trop perso. Ah, ça, c'est possible, par contre, que je fasse plus que certains trop perso. En parlant de Flex Opal, je vais te bosser une emote Flex demain. Ah, merci. Ah, ce serait une bonne idée. Attention, j'espère que ça sera pas trop méchant. Ah, attends, par contre, là, non. il y a eu un dérapage là, Yashan il est décédé. Je sais pas ce que tu veux faire comme emote en flexopal par contre. C'est inspiré, n'hésite pas. J'essaierai d'ajouter. Surtout qu'à un moment on arrivera bien aux 60 jours de stream, donc je pourrais donner les emotes à ceux qui follow. Parce que là c'est réservé aux abonnés, c'est pas ma faute, hein. C'est parce que je suis un streamer trop récent. Bon là je meurs, c'est pas possible. Donc on va mettre Astérion à la place. Ouais, sans Astérion, entre les contrôles et tout, c'est impossible. Je m'auto-tue, c'est trop régulièrement. C'est inesquivable. Du coup, il n'y a pas d'Araya, ni... Je suis sûr qu'il n'y a même pas des calmes comme l'eau, ni rien, en plus. Donc là, déjà, ça s'énerve un peu mieux. Bon, ça, je pense pas que ça fasse 10 milliards, parce que... Il va manquer toutes les décharges électriques. En fait, j'avais fait rentrer Shenna pour les décharges, mais vu qu'avec Astérion, ça passe pas. Ou alors, Astérion, Shenna... Ouais, mais Shen, c'est trop fort. Shen, c'est trop fort. Là j'ai pas les décharges du tout, ni Shenna ni Ayulia, donc à mon avis c'est pas possible. Mais c'est pour faire du contenu. Je manque pas d'imagination pour trouver comment essayer de valoriser le peu de mods qui sont ouverts. Mais bon, va falloir qu'ils mettent des nouveautés quand même demain parce que on aura vite fait le tour, hein. C'est durant encore une semaine. Ouais j'ai eu une épiphanie tout à l'heure, du coup je vais voir si je peux te faire un truc propre. Ok, bah hésite pas, on verra. Je validerai peut-être le résultat avant de le partager. Mais... Sans décharge, c'est compliqué. Ouais, sans décharge, je pense que c'est pas possible. Mais si j'enlève Shun et que je mets Shenna, je pense que ça fera trop trop aussi. On arrive quand même à 5 milliards, hein, c'est pas mal. Sachant que je rappelle, j'ai pas Araya, j'ai rien non plus. Attends, sinon on essaie ça. Attention parce que je suis capable d'avoir envie de tryhard ça et que si je fais 9 milliards je vais mettre des Araya et des artefacts hein, pour voir si à 3 ça suffit. Hein. Donc attention, hein. À tout moment on passe une demi-heure sur ça. Hein. J'ai fait même pas les 5 milliards. Non mais soyez pas frustrés, je joue différemment au jeu. Dites-vous ça. Ça a le temps de passer. Oh, au pire si on fait une demi-heure dessus après je vous envoie chez Necro et puis voilà. De toute façon, c'est ça, ou sinon, je vous dis au revoir dans 5 minutes, à mon avis. Parce que je sais pas si on trouvera autre chose pour s'occuper que ça. Hein, donc, on peut s'amuser à essayer d'optimiser un 10 milliards en 3 persos. Bon, de toute façon, au pire, ça durera 20 minutes, quoi. C'est pas non plus. On a passé une heure, on a passé un long moment à parler de ce qu'on pourrait avoir. On peut essayer de profiter du peu qu'on a actuellement. Pas mal la petite horloge au-dessus de la cam. Ouais, on m'a réclamé les horaires. Enfin, pour moi, c'est pratique, donc j'ai rajouté ça. Ouais. Bon, après, c'est fait. c'est fait avec les moyens du bord. C'est l'horloge du sanctuaire, du coup, avec une écriture un peu random, un peu penchée, pour que ça soit. Parce que j'ai pas trouvé d'horloge droite en GIF. Et on est quand même quasiment à 8 milliards. Hein. On peut peut-être essayer d'aller s'amuser. Ouf, non, mais avec les Araya sur cette même team, ça passe clairement. On va essayer, du coup. Bon, de toute façon, on n'a rien aux affaires, alors pourquoi pas. Une époque approximative. Ouais, c'est plus qu'approximative, la découpe. Ah, déjà, il a fallu que je trouve un gif animé de leur tour, de l'horloge des 12 temples. C'est déjà compliqué. J'ai fait que ce que je peux. Hein. Après, si vous êtes motivé à faire des emotes et à faire un gif de l'horloge droite, je la remplace. Elle marche mieux que celle dans le jeu. Oui, ça par contre, c'est probable, oui. Après, on peut pas découper celle du jeu, elle est trop petite. Mais ça aurait pu. On va essayer avec les Araya et avec les artefacts, voir. Donc on a dit Ayulia, Astérion, Chion. Ayulia, Astérion aussi. C'est ça que j'avais testé, je crois. Attends, je sais plus du coup.
Non mais le gif il est indécoupable, hein. C'est juste un bout du gif là déjà. Ah ou sinon en le détourant? Ouais non mais t'embête pas. T'embête pas. On m'a dit oui mais je sais plus ce que j'ai dit. Oui c'est ça. Astérion, Aliolia. Donc ce qu'on va faire, c'est que lui on va lui mettre sa truc 2. Bon après on va pas non plus s'embêter à opti. On va mettre les trucs que j'ai de base pour les boss, pour les trois personnages. Et si jamais on est proche, on ira optimiser parce que du coup il y a des cartes qui sont sur Shun et Shen en priorité qui pourront faire plus de dégâts encore. Vraiment si on est proche, on ira full opti. Bon là on va pas passer non plus 4 heures à mettre des Arianes. C'est vrai que j'avais pensé au speedrun, mais j'avais pas pensé à la contrainte en nombre de personnages. Par contre, avec ces IAGC, il n'y a plus d'excuses pour pas arriver à faire un max de points sur ce boss, quand même. Que là, littéralement. Bon, là, enfin, tout le monde ne fera pas avec trois personnages. Hein. Je parle pas de faire avec trois personnages. Je parle de faire avec une team classique et emprunter à Seiya. Parce que faire avec trois personnages, par contre, évidemment. Attends. Oui, ça, je les ai enlevés des artefacts, je les ai pas remis, c'est ce qui me semble. Alors là, avec cette team particulière, je sais pas si c'est mieux Nunchak ou épée pour Seiya, par contre, mais je vais le laisser en Nunchak. Mais là, j'ai pas la réponse, hein, par contre. Parce que là, du coup, ça dure 1 minute 30 et pas 40 secondes. C'est très différent de l'exercice habituel. Je sais pas si les calculs sont bons. Et on va rester pareil en full auto. On va devoir un petit coup. Oh non. C'est vrai que j'avais pas beaucoup d'objectifs et tout en ce moment. Essayer d'opter une team à 3 pour ça, pour être un objectif. Où là? Je pense que ça passe. Ça m'a l'air bien parti. Cette milliard. Il y a encore un peu de suspense, mais c'est pas long. Hein. Je m'apprête à tout moment à mettre sur pause, hein, parce que s'il manque pas grand chose, on ira opter un peu les Araya. Allez, 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 ah, ça va être juste. On compte sur toi, Seiya. Je pense que ça passe pas. Mais il manque pas grand chose. Ouais, c'était close. Alors ça, on va laisser. Ça, déjà, on peut le remplacer. On peut le remplacer. Alors, je vais pas non plus aller chercher 3 heures les cartes. Hein. Il y a des trucs qui ressortent rapides là. Ça. Et Astérion. Astérion. Parce qu'ils m'ont vraiment pas gras. Est-ce qu'il y a quelque chose enlevé? Non, Astérion, ça va. On pourra. Il y aura mieux que ça quand même, par contre. Il y a des trucs qui fait des dégâts qui sort. Ça. Ouais. Je pense que c'est jouable. Après, je sais pas si c'est mieux Nunchak ou épée d'or, là, par contre. Donc, si vraiment on est tout juste, on pourra toujours essayer de changer l'artefact aussi sur Seiya. Bon, on pourrait aussi jouer en manuel, mais je vais vous enlever cette... on va pas faire ça. En manuel x 0, ouais, super, quel live incroyable. Presque plus intéressant que le Styx. Alors parce qu'on a eu un peu plus de mal à la fin qu'au début, alors que normalement sur ces snowballs, c'est pour ça que je me dis que peut-être le... Vu que là on refait une minute 30 complète, est-ce que l'épée est pas mieux. À 3 avec les procs, on doit faire moins de CC.
on arrive à peu près à la moitié dans le bon timing, mais vu qu'on snowball peut-être un peu moins sans l'épée d'or. À tout moment, on remet sur pause et on ressort. 7 milliards. Donc un peu de force là. Bon, c'est vrai qu'il est moins bien accompagné que d'habitude, mais quand même, fait un effort. 8-6. 9-3. Allez, allez, allez. Tu. Bravo, Seiya. Eh bien, ça passe. Trois personnes, ça passe. Bon, deux non, par contre. Astérion et Seiya seul. Frodopal, mais c'est pas de la fraude. Eh, j'ai fait avec les outils à ma disposition. Ouais, par contre, ouais, les compositions où il n'y a pas les décharges, c'est trop dur pour Seiya. Hein. Donc, de toute façon, et on pourra pas faire Seiya Yolia et Seiya Astérion, ça marchera pas non plus. Ça n'y aura plus assez de boost, je pense, sur Seiya, il fera pas aller dommage. Donc on pourra pas tester la version à 2, mais déjà c'est pas mal, ça passe à 3. Plutôt cool. Est-ce qu'on peut tenter comme dernier team, on a le prêt. Et on fait avec quoi? Ah si, regardez, je sais ce qu'on va faire. Alors, on met ça derrière, on le cache. Tac. Alors, on vient mettre... hop. Vous allez voir, j'ai une team. Voilà, c'est parfait. Et là, en fait, vous cachez Seiya avec Hypnos. Vous venez chercher lui, là. Hop. Voilà, c'est parfait. Et là, vous faites ce screen. Et maintenant, on va dire c'est Dio. Dio, il va battre le grand pop tout seul. C'est Dio qui va faire 10 milliards. Ça sera une réalité. On aura fait 10 milliards avec Dio et sans Seiya GC. On ne voit pas sur l'image. Il est caché par... Vous pouvez cacher avec Mew aussi si vous avez Mew. Mew ça cache bien les personnages. L'emote flexopal devient urgente. L'emote flexopal, l'emote darkopal. Dio monstrueux. Ouais, sous-estimé, vous allez voir là. Il y a Dio. Et du coup, vous allez faire 10 milliards sur le grand pop. Ouais, grâce à Dio. On a bien vu sur les images que c'était Dio en front. Et il n'y avait personne derrière Hypnos. Les 10 milliards avec qui? Les 10 milliards avec Dio, c'est instant. Limote Flexopal. 100 milliards ici. Non, je crois que l'autre fois, on avait fait un try où il y avait juste Dio et ça suffisait pas, par contre, je crois. On avait fait un try, je sais plus avec qui on avait mis Dio, mais on avait mis Dio à la place de Seiya GC, je crois. On avait mis Shenna et chez enfin, la team classique, sinon avec, je crois que ça passait pas. Si? Ou ça passait? Je sais plus. Mais j'avais fait un try, je crois. Où il y avait Dio en main, entre guillemets, mais en vrai main où il y avait pas Seiya, quoi. Pauvre Dio. Ah, Hypnos, il fait des dommages, hein, quand même, c'est pas mal. Ah. Hypnos, il a pas rigolé, hein, il a tapé. Hein. Alors qu'il a que des cartes défensives, mais... Hypnos, il peut taper. Bon, Dio, par contre, non, mais... Dio, le stagiaire. Ouais, il fait moins de conneries que le stagiaire, quand même, quoi. Il contribue pas trop, mais au moins, il casse pas la team, quoi. Seiya, constellation 36, oui. Seiya est full max tout partout. Oméga 3, armure, ça se voit mieux là d'ailleurs. Constellation, il a tout. Il a tout pris. Après c'est le seul hein, que j'ai dans cet état. J'ai beaucoup d'armure 40, mais en termes de constell, par contre j'ai que lui en 36. Et parce qu'en fait j'en focus un peu partout. Ouais c'est mon seul, c'est le seul que j'ai focus. Je l'ai fait volontairement en 36. Les autres, ils montent au fur et à mesure, mais... non, pardon, c'est pas là. C'est ici. Les autres, il y a Poséidon à 23, Pandore à 19, et après ils sont à 15, 16, certains. Ils sont trop là. Mais en gros, j'avais Constellation 20 sur Seiya, là qui du coup est à poil. Là. Je les ai passés à CLC et j'avais prévu les boules rouges pour compléter. C'est pour ça qu'il était constellation instantanément à la sortie. Dans mon serve, il y a un bougre avec Athéna, Sagalite et Popo full. Oui, c'est Zomban, ça je crois. Je sais pas si ça se prononce comme ça.
Mais je sais qu'il me semble que c'est Zomban qui a 4, 3 ou 4, je sais plus, 6. Mais c'est possible que quand notamment Sean Jesse arrive, je commence à entamer un autre à 36 sur 36. Bon, c'est vraiment de la full opti pour les stats, donc je focus vraiment les personnages pour lesquels ça a de l'impact pour moi. Et là, l'idée du Seiya, bah, c'était pour abuser des... Bah, comme on a vu là, des boss, des épreuves des chevaliers, etc. Alors que sur le reste, pour l'instant, sur Pandore, ça aurait pu être une solution pour certaines illusions du vide. Mais ça me paraît quand même beaucoup d'investissement juste pour elle. Là où sur Seiya, ça a de l'impact sur les stats. Alors que bon, Pandore, elle tuera ses adversaires avec 10 ou 15 constellés en moins, ça changera pas grand chose. Choqué de l'investissement que ça demande. Ah ouais! Par contre, ça demande beaucoup d'investissement parce que. Enfin, c'est surtout que ça bloque l'investissement sur d'autres persos. Et c'est déjà difficile avec les armures d'avoir un équilibre, d'avoir beaucoup d'armures 30 notamment, quand tu fais des armures 40, parce que par contre, des armures 40, j'en ai partout. J'en ai 2, 3, 4, 5, 6. Là, je dois en avoir 6. Et quelques-unes au niveau 36-37, quoi. Et ça, déjà, c'est coûteux par rapport aux autres armures, mais pour les constelles, je trouve que c'est trop impactant. Du coup, j'essaie d'avoir un maximum de constelles un peu partout, notamment parce que je joue du coup maintenant 5 teams dans certains modes, plutôt que trop focus les principales. Mais si tu veux focus au maximum ta team de GS ou quoi que ce soit, ça peut être un choix. Je pense que ça doit être orienté sur les personnages qui jouent beaucoup dans sa team principale, parce que sinon, parce qu'il faut quand même rentabiliser l'investissement des 36, quoi. Ça fait, parce que 36, ça fait du coup 4 x 9, je pense que bon, ça, tout le monde arrive à faire les maths. Mais du coup, si tu mets un personnage 36, tu t'enlèves 3 constelles 9, t'enlèves des constellations 9 pour 3 personnages, quoi, donc faut pas que ça te manque, quoi. Après, étant free to play, je vais pas le faire. En free to play, c'est encore plus compliqué, évidemment. Il y a des personnes chez nous qui sont pas d'énormes cash players, qui ont quand même certains personnages 36 sur 36 parce qu'ils en ont focus un en particulier depuis le début et ils swap suivant les personnages qui arrivent, mais c'est vraiment très 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 lourd, hein, pour le coup. Pour un free to play, je sais même pas si c'est possible, quoi. Parce que là, les gens qui ont focus du 36 sur 36, c'est des gens qui sont quand même VIP 13, 14, 15, enfin tu vois, c'est déjà un niveau de cash play, quoi. Et donc ça me paraît un peu compliqué, quoi. Et en focus, alors je sais pas s'il en est 3 ou 4 la Zomban, mais c'est waouh. Faut bien faire les bons choix, faut bien stacker toutes les ressources. C'est pas évident à voir, quoi. Mais après, vu que ça se swap, ça me choque pas que les gens fassent ça. Les swaps seraient impossibles, ça serait un peu embêtant. Après, tu peux swap que de 1 pour 1, tu peux pas faire du 1 pour 4, ce qui serait encore mieux. Parce que tu enlèves pas les ressources, tu les convertis pas en boule rouge, ce qui serait incroyable, mais non. Tu fais que les swaps, mais du coup, si t'as un personnage Dark Knight dans le temps qui arrive et que t'en as fait 5, et que tu swap sur ta team principale, ça peut être un choix, quoi. Après, ça veut dire que tu vas pas swap sur les autres constelles, mais vu que t'auras tout investi sur le même, de toute façon, t'auras probablement moins de fois des 9 constelles à passer. Là où chez moi, par exemple, Doko, c'est le constel slave, c'est-à-dire que dès que j'ai besoin de swap des constelles, souvent il a déjà récupéré, etc. ou quoi. Il a déjà dû le subir 2 fois, donc là je sais pas dans quel état il est. Voilà, il l'a subi 2 fois du constel swapping, et pourtant il est déjà encore de nouveau à 3, quoi, par exemple. Donc, et c'est aussi pour ça que plutôt que focus un seul personnage à 36, là, ici, je focus plein de personnages pour les monter à 9, pour être sûr aussi d'avoir assez de ressources s'il y a besoin de faire des swaps. Donc là, en ce moment, j'attends la fin d'Athéna, la fin de Krishna, la fin de Misty, par exemple. Ce qui me fera déjà des swaps possibles pour la suite. J'ai vu qu'il y avait une pastille rouge, là. Qu'est-ce qu'il y avait récupéré là-dedans? Ah, c'est parce qu'on s'amusait avec les boss. Effectivement. C'est vrai. Ça qui a repris... Depuis quelques jours, on va décrafter tout ça. On va prendre l'XP, on verra si on peut avoir se rapprocher du niveau 529. Peut-être bientôt au cap 530. Qui restera à 530 du coup si c'est Shiryu GC. S'il y a Shiryu Pog, ça ferait 5 niveaux de résonance en plus, ça m'irait bien pour ça également. Bon, ça, je pense que ça suffira pas, sauf s'il manquait pas grand chose. Ah si, on peut faire un petit tic. Ouais, c'était drôle aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a interrogé qui arrivait là justement au premier niveau, une fois les 240 atteints, et qui me disait qu'il trouvait que c'était cher,
Quand je lui ai dit que pour chaque tick, moi c'était 35 millions, il a fait oui. Donc soyez pas choqués si à votre niveau c'est cher, sachez que c'est de pire en pire. Mais bon, ça se fait dans le temps. Et c'est très très loin à monter, mais bon. Moi j'ai un peu d'or en ce moment, il y a déjà ça qui bloque pas, et j'ai du coup des pierres violettes d'avance à force. C'est pour ça que j'ai pas pris cette fois-ci là, dans ce qu'on a vu avant. Les pierres violettes, parce que j'en ai trop actuellement. Peut-être à un moment ça me manquera et du coup je sois prêt de nouveau, je prendrai les pierres violettes dans la fondation Grad. C'est lequel, c'est le fond. Taverne. Voilà, d'habitude là-dedans, alors je sais plus lequel c'est, je crois que c'est celui avec les 100. Je crois que celui avec les 100, d'habitude il y a les pierres violettes et finalement je fais du 100 cette fois-ci. J'ai 907 millions d'XP d'avance. Bah ça va, mais t'es combien? Si t'approches des 400, tu vas vite voir que ça disparaît. 907, tu dois même... Enfin, même pour ceux qui reçoivent les trucs dans les boîtes aux lettres, hein, gardez tout ce que vous pouvez. 375, ouais, donc t'es pas encore dans le dur. Mais vers 400, 415, 420, ça commence à te douiller. C'est pour ça, hein, surtout ce que je rappelle à chaque fois pour ça, pour l'XP et tout, là. Jamais n'acheter des bouquins là-dedans. Là. Ça, c'est du bait. N'achetez jamais des ressources ici avec l'XP, ni l'or d'ailleurs. Ah, attendez, on m'a posé une question, je crois. Je répondrai après parce que c'est... Genre en détail. Ah, je vois qu'il y a des grandes réunions chez nous. Oui, aussi pour ceux qui ont du mal à accéder au Discord de Pandora, ne vous inquiétez pas, c'est en cours de réparation. Ça va réouvrir, c'est juste qu'on change des channels et tout. J'ai plein de gens qui viennent me poser la question. Mais ne vous inquiétez pas, ça va réouvrir. C'est juste qu'il y a des... C'est en travaux. On va changer des channels et tout, et du coup on a besoin de faire ça pour éviter de la gestion des droits compliqués. On a mis en suspens les invités, mais ne vous inquiétez pas, la liste est toujours valide. C'est juste qu'il n'y a plus de chat ouvert, mais ça va revenir. Par contre, on est d'accord que Athéna GC aura sa carte. Oui, moi c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai hâte. C'est pour ça que j'ai beaucoup de ressources ici et que j'ai des coffres. C'est que j'attends la carte d'Athéna. J'espère qu'elle sera dans le prochain patch, parce qu'on a eu déjà des cartes récemment, notamment Pandore et tout. Donc si on pouvait avoir en plus Athéna, ça m'arrangerait parce que ouais, j'ai hâte que la carte arrive. Ça va être très intéressant aussi pour la team actuelle. Et normalement c'est là. Ouais, j'ai 3 coffres ici et plus les 800. Donc normalement j'ai de quoi. Bon après faut. Ça se fera pas du jour au lendemain parce que là tu peux pas trop reset, ça coûte très cher rapidement. Il faut qu'elle apparaisse ici. Mais bon, j'en aurai déjà 3 dans les coffres. Et là après je récupérerai celle qui reste. Donc je pense que je lui mettrai quand même rapidement parce que c'est super fort. J'ai écho pour elle, j'espère vraiment, sinon je pars sur les cartes dont j'ai besoin. Bah moi c'est un peu ce que j'ai fait, c'est-à-dire que là maintenant que j'en ai beaucoup d'avance, par exemple si là il y a une carte Pandore qui tombe, vu qu'il m'en manque 2 pour la maxer, j'irai chercher la carte de Pandore quand même. Parce que là, il m'en manque 2 pour aller finir Pandore. J'irai sûrement chercher les doublons Pandore s'ils ressortent. Sachant que côté Popo, j'ai déjà la carte max. Donc voilà, je sais que toutes les échos que je ferai derrière, ce sera pour Athéna. Et Athéna, contrairement à Popo ou Pandore, je pense que la carte est même utilisable à moins de doublons. En récupérant 3 et peut-être un ou deux doublons comme ça, un peu par chance au shop, je devrais arriver à lui mettre sa carte rapidement, même si elle est pas maxée. Donc si jamais je trouve des doublons Pandore, j'irai chercher Pandore effectivement, même si Athéna est pas encore arrivée. Parce que là ça m'en fait... c'est 135. Ça m'en fait 5, 6, 7, pas tout à fait 7. C'est pas tout à fait 7, ça fait 6 sur, enfin 6, un peu plus de 6 quoi. Donc 6 plus 3 là-bas, techniquement il en faut 8. Donc normalement je peux entamer Pandore si elle arrive. Donc ça c'est bien aussi, ça évite d'être frustré ou quoi que ce soit. Et surtout que moi ce que j'aime bien dans le fait de valider les cartes name, là j'aurais fini Athéna et Pandore, Athéna et Pandore, Poséidon et Pandore, ça m'évitera d'avoir des doublons par la suite. Donc si j'ai des cartes rouges, j'aurais aussi plus de chances d'avoir la carte Athéna ou la carte que je souhaite. Donc c'est bien aussi de cibler, alors que si vous ciblez des féroces comme le feu ou des rapides comme le vent par exemple, ça enlève pas de doublons vu que eux sont présents de manière infinie et vous aurez pas forcément plus de facilité à cibler les cartes name
c'est tout l'intérêt d'une des boutiques. Mais comme je dis, pour ça, pour les Araya, n'hésitez pas à vous référer à la vidéo là où j'ai participé avec Necrosiris sur sa chaîne. Et si vous avez des questions, on a répondu à pas mal de trucs et on fait des présentations de personnages spécifiques. On a évoqué tous ces éléments par exemple. C'est un tuto assez conséquent, hein, il est un peu long. Mais il y a plein de choses intéressantes si vous voulez apprendre un peu en détail toutes les. Ça répondra à beaucoup des questions que vous aurez. Faut pas hésiter à en poser là quand même. Mais si vous avez des questions un peu génériques, vous pouvez vous référer à ça sur sa chaîne. C'est Necrosiris Ripley. Et de temps en temps, il continue sur sa chaîne à faire des personnages en particulier, mais là on a fait quand même pas mal de personnages, je sais pas s'il en aura encore qui seront intéressants à aller voir. Je crois que ce soir c'est encore des revues de box qu'il fait. En même temps, vu le contenu, il fait bien d'avoir des revues de box, je pense. Ah, qui c'est qu'on va encore être obligé de refuser? Phoenix 128? Check Hispanos? Oh, c'est une grosse box. Bah, désolé, mais je suis obligé de garder ma place. Mais promis, si demain on a 50 places, enfin du coup mercredi, on a 50 places et que j'ai plein de demandes d'amis, je les accepterai. Ah, mais là, pour le coup, bah, je suis à 29 sur 30, quoi. T'as pas de review de box en attente d'ailleurs? Bah, j'en avais une il y a très longtemps, mais faut que je reprenne contact et c'était No Limit, je crois, qui m'en a demandé une. Mais c'était la période où il y avait tout le contenu anniversaire et tout, et j'avais pas eu le temps de la faire. Là, ça aurait été ok parce qu'il y avait un peu plus de temps, mais vu que j'avais pas mal d'autres choses à préparer, du coup, pour l'instant, c'est passé à la trappe. Si vous en reprenez, j'essaierai de reprendre le rythme pour pas prendre de retard sur les reviews ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que vu que j'aime bien les préparer et tout, en avance et tout, là, le rythme est un peu complexe. C'est pas le plus évident. Si on a du nouveau contenu pour la semaine prochaine, où il y a deux choses prioritaires, c'est vrai que bon, s'il y a des reviews, je les calerai quand même dans le programme. Mais j'ose espérer qu'on ait un peu plus de contenu. Là, ça aurait été éventuellement effectivement l'occasion. Mais bon, j'étais content aussi hier de pouvoir faire une petite pause, hein, parce que je dois avouer que la petite pause la dimanche où j'avais pas besoin de streamer, sinon j'avais déjà fait même un double stream dans la semaine avec Necro en plus, quoi. Bon, j'étais bien content de pouvoir chill un peu. Parce que le rythme est sévère de temps en temps. J'attends quand ça sera cool, je prendrai la mienne. Ouais, hésite pas, sinon après tu la prends et puis on essaie de la caler si on peut dans les jours à venir. Sinon je note dans le calendrier et puis on trouvera une date plus favorable si cette semaine c'est pas possible. Mais n'hésitez pas non plus à en prendre, c'est pas grave, j'essaierai de caler tout ça si vous en prenez. Oui, je vais voir la review de box de Diabli. Ouais, mais je dis, hésite pas, et si c'est pas possible cette semaine, juste... on essaiera de trouver une date plus favorable. Il y aura forcément un moment dans la semaine, puisque de toute façon, au pire, ça dépend quand t'es dispo, quoi. Enfin, ça dépend si tu veux participer en vocal, ça dépend aussi de... Parce que si c'est juste dans le chat et tout, ça peut être aussi plus simple. C'est un moment d'organisation, quoi que ce soit. Et j'en ai à offrir au pire. Non, mais par contre, vous les prenez pour vous, vous les offrez pas. Sinon, après, ça en fait trop, j'ai vu sur chez Necro. J'ai déjà baissé le coût d'une review, là, de 10 000 points à 5 000 points. C'est pour que tout le monde en prenne pour tout le monde, ça va te faire trop, quoi. Et donc éventuellement, à la limite, si, vu que cette semaine, il n'y a pas de GS, ni GSI, ni rien, que de toute façon, là, on va faire on verra la mise à jour ou quoi que ce soit. Si ça se trouve, jeudi, ça va être... Enfin, mercredi, jeudi, ça va être blindé, mais vendredi, samedi, dimanche, il y aura peut-être le moyen de faire une review, quoi. Donc si tu veux prendre une review et que tu es dispo, genre vendredi, samedi ou dimanche, n'hésite pas, on calera. Et si on peut se faire ça avec Didi... Histoire de faire en live, ça peut, oui. Oui, dans l'idée, si maintenant que j'ai fait le setup pour, si vous voulez être en vocal, il n'y a pas de problème. Juste l'autre fois, j'avais le problème du push to talk que j'ai réglé sur le casque. Là, quand on a fait celle de Necro. Mais là, c'est réglé. Donc, normalement, maintenant, si vous voulez être... parce qu'il y en a, je sais qu'ils veulent pas non plus parler. Et ça vous empêche pas de prendre la vue. Mais si vous voulez être en vocal quand on échange pour poser des questions en direct, du coup, c'est tout à fait possible. C'est juste qu'il faut qu'on cale un horaire, quoi. Pour les bonnes coquillages, si je prends 6000 pour un VOC en Araya, c'est bon. Ah, moi, dans tous ces events, je priorise toujours les Araya, mais ça dépend ce que t'as besoin. Mais moi, ce que je priorise, parce que j'ai pas besoin de personnages, en priorité, ça va être le coffre d'Arcane Light. Mais moi, j'en ai pas besoin, parce que j'ai des personnages maxés, quoi. Mais sinon, après, effectivement, je vais sur les Araya, c'est ce qui est le plus rentable, je trouve, parce que c'est vraiment indispensable et il faut beaucoup d'Araya. Les conseils, ça peut venir un peu plus facilement avec le temps. Et des fois, tu peux prendre aussi des Sandor pour compléter, mais c'est quand même plus facile à obtenir. Et je trouve que la ressource la plus clutch sur les boutiques, c'est les Araya. Mais je sais que si t'as pas tous les Dark and Light, le coffre, si t'as assez de ressources, ça peut être aussi un choix, évidemment. Parce que, mais bon, faut avoir assez de
faut avoir assez de ressources pour le taper, et généralement faut payer. Donc si t'es free-to-play, généralement tu vas pas sur ça, mais... Voilà, j'ai besoin de O3, et les Dark Knight, je le pourrais pas. Mais écoute, dans le coup, on peut en discuter pour la fin de semaine, en fonction de tes dispositions, je prends oui. Ouais, bah, hésite pas à me dire, Diablo Linux, tu dois bien être dans MP. Si t'as un créneau qui t'arrange vendredi, samedi ou dimanche, et je m'adapterai. Bah, Diablo Linux, paye tes 5000. Ah, faut payer. Non, mais il a besoin de payer les 5000, Diablo Linux. Et O3, sinon, ils sont à combien, les O3? Ils sont à 250. Parce que les O3, ça s'obtient quand même assez facilement ailleurs. Mais ça dépend de combien t'en as besoin. Après, c'est pas beaucoup plus cher, ouais. Après, les O3, il faut que t'en prennes au moins 2. Parce qu'il faut les mettre 2 par 2. Voire 4. Il faut déjà avoir les Omega 2, Persage et tout. Si t'as le timing, ça peut être un choix. Mais naturellement, je pense que les gens vont plus se tourner vers Araya. Ça va leur servir un peu n'importe quand. O3, faut être dans le bon contexte. Oui, en guide, j'ai déjà en stock, donc pas besoin. Guild. Les percées aussi, mais pas beaucoup d'argent. Ah oui, par contre, les percées, ça coûte cher. Oui. C'est pour ça que des fois, faut attendre les golds pour pouvoir percer, et tu peux attendre l'oméga 3 et faire du Araya en parallèle. Là, le choix est pas évident, ça dépend ce qui te complète. Si te manque genre un oméga 3 pour compléter une parure, bah, à ce moment-là, oui, tu peux aller sur oméga 3, mais... Omega 3, j'aime pas trop les focus trop tôt, parce que vu que tu peux les avoir sur les récompenses AFK, tu pourrais tomber sur celui qui te manquait et du coup être un peu frustré d'avoir trop investi sur une ressource que du coup tu laisses de côté. Mais bon, ça dépend des besoins et de ce que t'as. J'allais vous dire que j'allais vous envoyer chez Necro, mais j'ai pas vu d'annonce, donc je sais pas s'il a lancé son live. Bon, je vais aller voir ça, parce que je vais pas vous envoyer dans le vide non plus. Mais... que normalement je reçois ces alertes. Il n'a pas l'air d'avoir encore lancé. Je sais pas, il doit bien streamer ce soir, je crois. Je crois qu'il disait qu'il n'était pas dispo pour certains jours de la semaine, mais pas ce soir. C'est bon, là, si je vous envoie chez Necro alors qu'il n'a pas lancé, ça va être. Non, il n'est pas encore live. Ouais, j'ai pas eu de notification en Discord. Donc. Et puis même quand il dit qu'il live plus tard, normalement, il me semble qu'il met aussi un everyone. Je vais regarder rapidement s'il a mis quelque chose. Parce que vu que finalement, on a réussi à blablater et trouver de quoi s'occuper avec un mode surréaliste pour le grand pop, ce serait dommage que je vous lâche lâchement comme ça dans la nature, sans votre dose quotidienne de Senseiya. Parce que là, ça fait quoi? Ah bah voilà. C'est difficile qu'on en parle. Hop. Je vais aller chercher le live. Et je viens de voir passer la notif. Quand on parle du loup. C'est ça. Si vous entendez peut-être les notifs, parce que je suis plus sur l'extérieur pour le micro. Les notifs doivent pas être coupés par le New Media Broadcast. Là, vous aurez peut-être entendu son pendant quelques minutes. Donc sinon, pour le programme de la semaine. Donc du coup, peut-être une review de box à la fin de la semaine, mais donc plutôt vendredi, samedi ou dimanche, si Diablo Linux est dispo, sinon la semaine d'après, on verra. Donc ça, il y aura ça au programme. Oui, on entend les notifs Discord, oui, je pense, ouais. J'en coupe une certaine partie, mais pas forcément toutes, parce qu'il y en a que je veux recevoir aussi pour s'il y a des questions, des trucs comme ça. Et donc sinon demain, normalement, mais ils ont déjà fait le coup une fois de pas nous mettre le patch note, donc on verra. Mais normalement on devrait parler du patch note, on espère qu'on aura des bonnes nouvelles, et que ce qu'on a évoqué ici, notamment les boutiques que souhaitait pas mal de monde, on espère qu'on les aura. On aura la confirmation qu'à mon avis c'est Shiryu GC, parce que je comprenais pas trop le POG, mais c'est juste qu'à mon avis c'est une erreur de présentation d'illustration. Sinon bah du coup on espère qu'il y aura des modes ouverts, parce que là c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. La GW, ben, à part le match contre Torel, je sais pas quand est-ce qu'il va tomber, je pense qu'il y aura pas grand chose à raconter non plus. Au pire, si vraiment on veut s'occuper, on pourra toujours faire un petit peu de,
de l'habit par exemple. On n'a même plus les labis Dark and Light qui du coup sont finis à 200. Donc j'espère qu'ils auront aussi, vu qu'on avait fini, qu'ils en rajouteront dans la mise à jour, mais j'y crois pas trop. Mais sinon, du coup, on va essayer quand même de streamer toute la semaine. Et s'il n'y a pas assez de contenu, on fera une petite pause au moment, évidemment, comme d'hab, quand c'est un peu plus calme. Mais bon, j'espérais qu'on ait des bonnes surprises et qu'on puisse s'occuper toute cette semaine. Donc je vais vous envoyer chez Necro. Faut juste que je trouve le live sur le bouton de raid. Ça va se lancer dans quelques instants. Comme ça, si vous voulez un peu plus de Senseiya, vous pourrez passer chez lui directement. Je pense que le timer sera pas respecté, hein, comme l'autre fois, on est tombé à la meilleure seconde. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis du coup à demain. Et surtout, n'oubliez pas, rejoignez Pandora. Ciao, bye bye, et bon raid.